Eh bien le bonsoir. Ce que je fais, je vous laisse discuter ou on attaque? Parce que vous avez l'air de bien vous entendre là. Et j'ai dit que je ne donnerai pas de nom, donc ne vous battez pas. Il n'y a pas de question d'imagination. Ces personnes veulent garder leur anonymat. Merci de le respecter. Et c'était juste pour dire que voilà, j'aurais pu être là plus tôt, mais que ces personnes ont fait en sorte que je sois pas disponible tout de suite. Mais on va pouvoir attaquer, en espérant galérer un peu moins qu'hier, en espérant finir par arriver à se faire à ce mappage de boutons qui est, à mon sens, en dépit du bon sens, justement.
Et j'ai vu que j'avais eu un abonnement pendant que je balançais du Coldplay, donc merci à la personne qui s'est abonnée. Désolé, j'ai pas retenu le pseudo, mais si t'es encore là, merci pour ton abonnement. Hey, relancer une partie, ça permet de refaire des flèches. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, ouais, merci encore Dublin Pace et bienvenue parmi nous. Bon, déjà on va baisser un peu le son parce que ça hurle dans les oreilles. Voilà, ça sera un peu mieux. Mais je savais que c'était toi, Hakim. Hein. Mais à chaque fois, tu changes de pseudo, donc. Bon, du coup, que va-t-on faire? Ah oui, c'est vrai qu'on a acheté les tenues d'Altaïr, d'Ezio, etc., etc. C'est vrai aussi qu'on a un nouvel arc. Un nouvel arc qu'on peut pas utiliser parce qu'il faut avoir le niveau 10. J'en pense autant de bien que j'en pense du mal, en fait. Y a des choses que j'aime bien, le jeu est très beau, l'histoire a l'air cool. Et j'ai du mal avec les mécaniques dont je m'attendais à avoir du mal, c'est-à-dire les mécaniques de RPG qui me gavent un peu, parce que j'aime pas ça. Et le mappage des boutons que je trouve pas hyper bien réfléchi. Parce que normalement, quand on regarde une manette de jeu, la logique veut que les boutons qu'on utilise le plus soient ceux qui soient les plus accessibles. En l'occurrence, si une manette elle a été pensée comme ça, c'est que les boutons les plus accessibles, c'est ceux qu'on utilise avec le pouce. Ben, ils ont eu la grande idée que les boutons qu'on utilise le plus, c'est-à-dire ceux du combat, on va utiliser les gâchettes. Hein, donc c'est pas un jeu de bagnole. Donc il n'y a pas de certaine logique à ça. D'autant plus que les boutons les moins accessibles sur une manette, ça reste quand même les gâchettes hot. Que du coup, les gâchettes hot, c'est bizarrement celui qui sert à parer et celui qui sert à faire les attaques simples. Donc les deux trucs qu'on va utiliser le plus. Alors que jusque-là, dans Assassin's Creed, ben, les attaques étaient sur X et les parages étaient sur B. Hein, donc logique hein, jusque-là, c'est comme dans tous les beat'em all classiques. Voilà, puis du coup faire des attaques avec les gâchettes, mais quand même faire des assassinats discrets avec Y, va comprendre. L'utilisation du pad où il y a une différence entre l'appui simple et le rester appuyé. Ok, d'accord. Bah on se dit que peut-être une manette comme ça, il n'y a pas assez de boutons. Hein, enfin bref, il y a des trucs au niveau du mappage que je comprends pas vraiment. Hein. Et l'homme qui tapait dans son micro, ouais. Faut que je m'habitue encore. Enfin bref, il y a des choses sur lesquelles j'accroche moi, mais où je vais probablement m'y faire, parce que ça, en l'occurrence, le mappage des boutons, c'est qu'une question d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais, qu'il la ramène pas, l'homme qui se cache derrière son micro. Tu peux pas taper dessus, toi, il est comme ça, ton micro. Après, voilà, j'ai pas encore assez avancé, j'ai joué 2 heures, 2 heures et demie, donc on va bien voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de griefs à lui tenir, mais bizarrement, les 2 heures et demie que j'ai passées étaient très agréables, donc il y a eu des trucs sur lesquels j'ai pesté, des trucs qui m'ont un petit peu agacé, mais au final, ça restait agréable à jouer, donc voilà. Donc c'est cool. On va dire que même si c'est pas très français, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. C'est chiant parce que dès que tu vas dans le menu, ça aussi, voilà, petit bug probablement. Dès que tu vas dans le menu, ça vire la musique d'ambiance. Et elle met du temps à revenir.
Les vieux réflexes pourris où je reste appuyé sur A pour accélérer alors qu'en fait ça ne fonctionne plus non plus. Ouais, non mais si j'ai des griefs envers le jeu, c'est parce que je suis un hater, diront certains. Ça me va bien d'être un hater qui dépense 400 euros dans la licence chaque année. Hein. Bayek, notre Medjay, te revoilà. C'est toi qui m'as parlé? Ah non, c'est toi qui m'as parlé, tu m'as fait peur, je me suis dit lui, il me voit arriver de dos, il est fort. Qu'est-ce qui est arrivé à ta forge? C'est Neketia tête de soldat. Un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Il n'avait pas tort. Non, mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine? Et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedjé. Je te rapporterai tes outils. Et je m'occuperai de ce capitaine. Benipe a dit que ses outils étaient au camp Shedjé. Le capitaine qui s'en est pris à Benipe. Je crois que je l'ai déjà envoyé dans la douane. Indice de position approximative d'autre cible pour gêner la zone. Ok. Ah, du coup, ça apparaît pas sur la carte? C'est ce truc là? Non. Tu peux pas me le marquer, tu... C'est quoi le concept? Eh, salut Lançois Loco. Tellement fait souffrir. Ouais, mais tu me l'as déjà fait cette phrase hier. Mais ça me gave en fait que ça apparaisse pas sur la map. Pourquoi je peux pas le verrouiller le truc? C'est quoi? C'est une phase d'enquête en fait? Ah, il faut que je le trouve avec l'aigle. Putain, c'était encore hyper intuitif, tiens. Mais pourquoi il va par là, cet aigle de merde? En maintenant LT. Ouais, LT, c'est vol stationnaire. Ah oui, ok, ça fait ça. Cible localisée. Ben voilà. Place un marqueur. Oui, j'ai fini par comprendre, Iti. Je suis... Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps, surtout quand c'est marqué en plein milieu de l'écran, en fait. Mais comme depuis le début, on se tape des didacticiels, si tu veux, j'avais l'impression que c'était encore un putain de didacticiel pour m'expliquer comment utiliser l'aigle. J'avais pas compris que c'était directement lié à la mission. Oui, j'ai vu que c'était écrit et là. Merci beaucoup. Mais effectivement, j'aurais pu le voir plus vite. Bon, passons au mode AKP. Alors, il y a un capitaine et il y a un trésor. Ah, ça, c'est cool ça. Tu restes appuyé sur le stick gauche et tu peux enfin revoir les objectifs secondaires. Alors, la question, c'est où est le trésor? C'est comme ça, je crois. Ok. J'ai pas encore bien compris les petites différences au niveau des flèches. Toi, tu comprends quand on arrête de t'expliquer. Il
Bon, à première vue, il n'y a personne, on va piller ça. Voilà. Donc, je vous préviens, on essaye de le faire en mode infiltration, mais dans 2 minutes, il est fort probable que ça parte en gros mode bourrin. Hein. Je me connais. Ce qui est bizarre, c'est que je vois personne, là. Je suis seul, tout. Y a quelqu'un dans cette tente ou pas? C'est chiant ces flèches qui finissent par disparaître, il faut réactiver le sonar de dauphin là. Les outils de Benny P. Tout est réglé. Ah bah j'ai tout récupéré déjà. Il sera heureux de l'apprendre. Oh la quête FedEx de... Ah ouais, j'avais prévenu. Ah oui, c'est vrai qu'il faut verrouiller. Oh oh. Toutes mes excuses. Je le pensais pas. Mais il y avait pas un chat quoi. D'où ils ont débarqué ces connards? Il reste un truc là. Ah oui, il y avait une amphore que j'avais pas encore. Hein. Ah, il y a encore des trucs là-bas. Mais je l'ai pris le sous-objectif, il m'avait marqué les deux bons donc. Y'a pas de flèche là? Ok, bon bah j'ai vidé tout ça, on retourne voir le forgeron. Alors en fait, pendant que la mission est en cours, tu cliques sur le stick gauche et automatiquement ça fait apparaître les sous-objectifs en bas à gauche. Objectif et sous-objectif. Et là en l'occurrence, il y avait récupérer les outils et piller le trésor. Et j'ai dû faire les deux en même temps parce qu'il m'a validé les deux en même temps. Ou j'ai pas bien compris ce qu'était le trésor vu que j'appuie frénétiquement sur le bouton de loot. Donc... Allez, relève-toi là, t'as l'air d'un con. Il reste le capitaine? Mais je l'ai buté le capitaine! Non, regarde, l'objectif maintenant c'est retourner voir le... Retournez voir le Bénip, le forgeron. Non, non, je l'ai buté, le capitaine. Non, mais la dernière fois que j'ai voulu sauver un passant... Et merde. Ouais, non, mais on verra ça plus tard. La dernière fois que j'ai voulu sauver un passant, je l'ai empoisonné, donc on va arrêter les conneries. Commence pas à me faire tester, Iti, hein. Tes outils. Ce capitaine ne remettra plus les pieds ici. Je peux enfin rouvrir ma forge. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai ressorti ces armes que j'avais cachées aux soldats. Vas-y, je te l'offre. Choisis-en une. Choisis une quoi? Prends-en une. Elles ont toutes la même valeur. Un arc, j'ai ce qu'il faut. Examiner. C'est fait de cuir et de bronze. Il protège bien. Certaines armes rebondissent sur lui. Cette massue n'est pas très grande, mais il n'y a rien de tel pour fendre un crâne.
Mais là, on est d'accord que c'est bidon, parce que ils me donnent le choix entre trois trucs, mais je vois pas leur capacité ni leur puissance, donc je sais pas si c'est mieux que ce que j'ai déjà. Spécial. Il n'est pas très puissant, mais il permet de tirer très vite. Tout le problème, c'est ça, c'est est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Ah oui, bah, faut peut-être prendre l'arc du coup, comme ça au moins j'aurai deux arcs. Puisque l'autre, je peux pas l'utiliser avant le niveau 10. Ouais, bah oui, vu qu'on a l'édition collector, t'as pris au hasard. Bon, bah je vais prendre l'arc du coup, parce qu'au moins l'arc, je sais que je peux l'utiliser et que je pourrais l'équiper. Tant que je peux pas utiliser mon arc niveau 10. Ah, donne-moi ça, Jean-Roger. Merci, mon ami. Tu passes à Ah, moi baf. quand tu veux, Bayek. Super, je peux pas l'utiliser non plus, il est niveau 4. Ah, quoi que j'ai peut-être monté niveau 4 là. Ah, ben voilà. Plus un point d'aptitude. Assassin's Creed, le jeu où tu passes plus de temps dans les menus. Aptitude. Ben, on va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on va foutre avec tout ça. Donc ici on a harcèlement d'aigle. Ah ben voilà, tu vois Cyril, on y arrive. Effectivement, il y a moyen de pouvoir utiliser l'aigle en attaque. Donc c'est faisable. Enfin, ça va l'étourdir en fait, ça va pas le buter, mais donc c'est faisable. Ça, c'est un bonus d'XP dans le cas où on fait un tir à la tête. Diminution de la zone de dispersion. Maintenir été lors de la charge du tir permet en outre de percer la défense du bouclier. Ouais, ok, d'accord. Ça peut être sympa. C'est quoi qui va me déconcentrer? Augmentation du nombre de flèches tirées avant d'avoir à recharger. Ouais, mais ça coûte 2. Ici. Ah, ça c'est bourrinos, ça j'aime bien. Déviation d'une attaque adverse en appuyant sur B. Espèce de parade riposte pour infliger des dégâts critiques et créer une ouverture dans la garde d'un ennemi. Ah, donc faut appuyer à pile poil au bon moment, quoi. Et moi, les trucs de timing. Ah, ça va déconcentrer les adversaires, d'accord. Permet d'évacuer des conducteurs ennemis de leur monture et d'en prendre le contrôle. Putain, il faut un point de compétence pour pouvoir désarçonner quelqu'un de son putain de canasson. C'est ridicule. Déjà que j'étais obligé de me payer l'assassinat aérien, quoi. C'est juste la base. Non, il n'y a pas de mobot ni de petits jeux, et là. Bah ouais. Je sais même pas comment on met ces trucs-là, en fait. Je me suis jamais intéressé au délire. Hein. Les bombes, non, ça me branche pas. Par contre, ça, ouais, j'aime bien ça. Bah non, il n'y a pas de petit jeu. Faut que je m'intéresse au délire. Bon, en même temps, vous êtes là pour me regarder moi, pas pour jouer sur le chat, hein. Ça, c'est pour récolter plus d'argent sur ce que je vais revendre. Ah, c'est payant en plus. Bah ouais, du coup moi aussi je fais ce que je veux, je peux choisir de ne pas mettre de jeu sur mon chat. Surtout si c'est payant.
Ah, 1000 messages en un stream, vous avez intérêt à spammer, hein. J'ai bien envie de prendre ça là, ça me plaît bien ce délire. Allez, mode bourrinos activé. Non, mais on va pas spammer juste pour voir un truc se mettre à courir. Alors, t'as dit qu'on pouvait lui demander d'améliorer les trucs. Ah ouais, sauf que ça coûte trop cher par rapport à l'arme que j'utilise. Ah, il manque pas grand-chose en plus. Il manque pas du tout grand-chose. Ça fait monter en qualité 6, en dégâts 16, et il faut niveau 4 pour l'utiliser. Ouais, bon, on va attendre. Ah, par contre, je peux peut-être vendre. Ouais, voilà, c'est ce que Haiti me dit, revends tout. Mais qu'est-ce qui vaut mieux du coup? Il vaut mieux revendre les épées et tout ou les démonter? J'ai pas bien encore saisi le délire. Hein. Attends, le truc vers le bas, ça le fait à ma place? C'est quoi le délire? Il a l'air de l'avoir fait tout seul en fait. Les pots, on va les garder parce qu'il y a pas mal de. Alors, revends tout, t'as sûrement des trucs d'animaux. Ouais, mais les trucs d'animaux, je me suis pas fait chier à les chasser pour les revendre parce que le but c'est de les avoir justement pour faire du crafting ensuite. Pour améliorer ton équipement, donc je les démonte. Bon, apparemment, ça a déjà vendu tout ce qui était inutile et j'ai les sous pour faire l'amélioration que je voulais faire. Il y a d'un côté les. Ah oui, t'as ingrédients de fabrication d'ailleurs, d'accord. Bah ouais. Ou alors il les a déjà vendus parce que j'ai fait le truc vers le bas, mais. D'accord, donc ça vend pas les ingrédients de fabrication. Mon dieu, que ça me gave les RPG. Regardez là, au lieu de jouer, on est dans les menus. Ouais, donc de toute façon, tout coûte 1500. C'est ça que j'utilise le plus, donc on va améliorer ça. Ah ouais, mais. Non seulement j'ai pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, donc forcément j'ai pas les bons réflexes, mais en plus il faut prendre le temps de comprendre les menus, donc. Bref, il m'a amélioré ça. De toute façon, j'ai pas assez de sous pour améliorer d'autres choses. Donc, tu m'as dit qu'on pouvait les démonter, du coup. Bah, j'y peux rien, c'est pas moi qui conçois le jeu. Hein. Démonter. Démonter. Au niveau des couleurs, je pense que c'est un peu comme dans Fortnite, je suppose que les violets c'est du légendaire ou un truc du style. Rare, ok. Les bleus c'est du classique. Alors, je les démonte, tu vois, bronze. Cela t'affiche à droite. Non mais il a raison de s'impatienter, il est comme moi, il aime pas les RPG, hein. C'est lui qui a raison.
Ah! J'ai juste pris du bois de cèdre. Ok. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, ok. Maintenant, je vois. J'ai compris le délire. Démonter 1 sur 2. Ah oui, il y a deux trucs. Un de fer, un de bronze. Un de fer, un de bronze. Ok. Bon, de toute façon, les armes, elles cassent pas, donc c'est pas la peine que je garde ça. T'as tout bazardé sauf les trucs légendaires. Ok. Donc les trucs violets, en fait. Celle-là, je la garde puisque c'est deux trucs légendaires. Ça, c'est un truc rare, donc je la garde aussi. On peut démonter le chameau? On peut pas démonter le chameau? On peut ressembler à Ezio, c'est quand même la classe. Mais un Ezio bronzé, hein. Un Ezio qui a pris le soleil, un Ezio qui est parti à la plage, sur les plages italiennes, quoi. Et les arcs, j'en ai que deux, donc... Ah non, j'en ai trois. Tiens donc. Ah bah oui, avec celle de niveau 10 que je peux pas encore utiliser. Ok, ça, on peut l'améliorer aussi, je crois. Il me manque des pots de je sais pas quoi, du coup. Parce que c'est bien, je peux l'épingler, mais je sais pas ce que c'est ce truc. Et là, il me faut du bois. Bah tiens, on va essayer d'aller chercher du bois. On va essayer d'aller chercher du bois, donc c'est pas ça. C'est ça. Allez, Jean-Roberto, du bois. Trouve-moi ça. Des pots. Des pots. Ah bah ça s'affiche maintenant, j'avais l'impression qu'hier ça s'affichait pas. Mais arrête de descendre, bordel, tu veux pas prendre de l'altitude plutôt? Du pognon. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux, il s'est passé quoi là? Oh, le jeu! Mais t'arrives quoi, toi? Non, mais tu t'es pris pour qui? Scusi, Scusi, j'ai un cadavre, Scusi. Mais foutez-moi la paix, j'étais en train de tranquillement de me balader avec mon aigle. Je crois que je viens de passer à travers une plateforme. Ou pas. Bon là, je suis pas vulnérable, ils vont me foutre la paix quand même. Hop, comme ça. Je suis caché dans mon nez. Bah ouais, mais t'as vu le temps de chargement qu'on se tape à chaque fois que... C'est abusé. Enfin, je suppose que sur ton PC c'était plus rapide, mais là c'est long quand même. Ça te dissuade d'utiliser Jean-Roberto, hein. Bon, je cherche du bois toujours, hein. Bordel de merde. Ça, c'est pas les bonnes peaux. Ça, c'est pas les bonnes peaux. Moi, je cherche de la peau chelou, là. M'énerve quoi. Ah mais non, ça y est, j'ai compris. C'est stick inversé. Il n'y a pas ça dans les menus pour qu'on puisse changer ça, j'aime pas ça. Moi je veux que pour monter, il faut aller vers le haut, quoi. Option. Gameplay. Boîte photo, non, audio. Et ça va l'inverser tout le temps, ça. Mais oui. C'est Jean René.
Bon, inversons l'axe X, on va bien voir. Donc non, hein, définitivement toujours pas. Bon, ça marche pas pour l'aigle en fait. J'ai beau tout inverser, il veut rien savoir. En tout cas, il est bien ce jeu fait à base de menus. Effectivement. Effectivement, en fait, c'est l'axe des Y. J'ai complètement craqué. Ça, c'est toujours pas les bonnes peaux, mais... Toujours pas les bonnes peaux. Non, mais on va s'y faire, c'est pas grave. On saura qu'avec l'aigle, il faut tirer vers le bas, quoi, comme sur un manche d'avion, mais... Bah, je fais une mission, j'essaye d'améliorer mes trucs là avant d'aller faire des missions, mais je trouve pas de bois. Donc on peut le faire grimper. Ok, donc c'est juste moi qui suis un âne. Oh, il prend le vent l'aigle. Des crocos? Mais je cherche pas des crocos, je veux juste du bois. La dernière fois, il y avait des charrettes qui se baladaient dans la rue là. Du bois, il y en avait plein. Et là, j'en vois plus du tout. Bon, bah du coup, s'il n'y a pas de bois, on va faire une mission. Mais non, mais j'aime pas le système où tu amènes le stick vers le bas pour monter. J'ai jamais joué en inversé comme un simulateur d'avion. Mais du coup, oui, effectivement, c'était les Y. C'est moi qui ai complètement craqué. Ça a absolument rien changé. Hein. Tac. Et ça n'a absolument rien changé. Que je se fous de ma gueule. Hein. Donc X, Y, mes couilles. Carte. Carte, on va aller faire cette mission. Encore? Sérieux, mais arrêtez les temps de chargement. Hein. Bah, je les ai pas trouvés les réglages, j'ai essayé les X, j'ai essayé les Y, à chaque fois l'aigle c'est toujours pareil, il faut tirer sur le manche pour... Cuirasse bien robuste. Elle te sera utile. Ouais, donc je me fais chier à essayer d'améliorer les trucs et tu me les files toi-même en fait. Je l'ai aidé à retaper son échoppe. Ah, je vois que tu te prépares. Très bien, Zenny. Si tu veux te rendre utile, tu trouveras des missions sur ma table. Ne semble pas d'abandonner. La source d'eau douce dans la grotte à Manaï. Je connais cette grotte. Je me demande bien qui c'est qui s'est occupé de ce PC. Ouais, c'est chiant d'être coupé dans l'action comme ça par un temps de chargement. Même si ça dure pas longtemps, il est pas très long, il doit faire 4 secondes, 4-5 secondes, mais c'est chiant. Donc il y a des nouvelles quêtes. Niveau 2 suggéré, bah voilà, on va faire ça. Get it.
Là, par exemple, le gros avantage de la boussole comparé à Mass Effect Andromeda, c'est que quand tu marques quelque chose sur la carte, tu as non seulement l'icône qui apparaît en haut sur la boussole, mais aussi en hologramme sur le HUD. Donc, alors que quand c'est que sur la boussole, tu peux passer juste devant sans t'en rendre compte. Ouais, Pedro? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mourir? Dis, hein, tu le... Voilà. T'es exaucé. Mais je peux pas. What? Ah ouais, donc en fait il me dit. Mais tourne! Oh, il m'énerve. Ça bouge tout seul. C'est une horreur ce gameplay. Mais il tourne tout seul, hein, je... En fait, c'était tout, c'était pas du tout en intérieur, quoi. Ah, des connards. Bon, il m'a saoulé. Ouais, c'est bon, vas-y. Tire si ça t'amuse. Hop, hop, droite, gauche. Putain, il arrive quand même à me toucher, ce bâtard. Mais il a pas tiré, oh là là, c'est relou. Mais lâche! Oh putain, sans déconner! Tiens, bouffe-la celle-là. Évidemment, il s'est baissé au moment où j'ai tiré.
c'est Bayek. Il va nous sauver. Ils étaient arrivés à inventer un système de parcours qui était parfait dans Unity. Il a fallu qu'ils touchent tout, quoi. Putain, sans déconner. Bande de boulets. Partez, vite. Où est Eremon ? Oh, Paramon. Il est mort de ses blessures. Sa famille voudra l'enterrer dignement. Dépêche-toi, trou du cul. Non, mon choix, il est au repos. J'y vais à pied. Parce que j'ai décidé. Ça va, il y a 100 mètres. Je vais pas me faire chier à appeler mon cheval. Ça va être encore plus long. Ou pas. En fait, 100 mètres, c'est long à faire. Bon, c'est comment qu'on appelle Jean-Roger? Non, c'est pas ça. Allez, choual! On était à côté, en fait, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ferme de Térémon? On était complètement à côté. Weissa. Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas. Je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourments et souffrances. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu arriver les soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat. On ne peut pas les enterrer décemment. Et évidemment que t'as pas galéré, E.T. à la manette. C'est logique, t'as joué à un Assassin's Creed dans ta vie, j'en ai fait 11 moi. Donc à partir du moment où il change tout, et il me casse les roustons. Parce que moi je suis complètement paumé. Hein. T'as fait Assassin's Creed 1, et j'ai fait le 1, le 2, Brotherhood, Révélation, Black Flag, Unity, Syndicate, plus tous les spin-offs d'à côté. Ouais, ça va, les autres, tu les as joués 5 minutes. Me prends pas pour une grosse trompette. Moi, les autres, je les ai tous finis à 100%. Il y en aura plus là-bas qu'il en a eu ici. Bon, c'est bon, elle est finie. T'as 4 FedEx de merde, là. On peut passer à autre chose. Ah bah, du coup, on est à côté de celle-ci. Allez, allons faire une autre quête FedEx jusqu'à avoir le niveau suffisant pour pouvoir faire une vraie quête. C'est vraiment tellement bien les RPG. Il a pas un nom pourri, il s'appelle Choual. C'est bien comme nom.
Rabia. Bayek, mon cœur est empli de joie de te revoir à Siwa. J'aurais pu lui donner un nom bien plus pourri, j'aurais pu l'appeler, je sais pas moi, Juan Pedro. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé comment son chien? Lasagne? J'avais pas vu. Findus. C'est pas bien ce que vous faites. Vous allez vous faire gronder. Quelle bande d'enfoirés. Santé à Senou. Je ne m'attendais pas à la revoir. C'est une vieille coriace. Comme toi. Bayek. Ebzefa dit que tu fais de ton mieux pour guérir les villageois. Je serais ravi de pouvoir t'aider. C'est gentil à toi. Que ton cas soit béni. De l'aide, ça ne se refuse pas. Les soldats sont des brutes. Tous les villageois ont des coupures, des bleus, des os brisés. Pour les aider, j'ai installé une maison de vie de fortune dans le temple en ruine. On m'apportait des remèdes d'Imou, mais les soldats arrêtent tous ceux qui viennent au village pour les dévaliser. Alors, nous avons essayé de faire venir les remèdes par bateau. Et les soldats les arrêtent aussi. Ils ont coulé ma cargaison. Les jarres de remèdes sont toutes éparpillées au fond du lac. Je vais te les rapporter. Merci, Bayek. Apporte-les au vieux temple. C'est là que je me rends. Le remède pourrait être n'importe où dans le lac. C'est nous qui peut m'aider. Ah, on va nager. Et puis c'est tout. Le grand pharaon, et puis c'est tout. Ah non, c'est pas ce bouton-là. Ah, il faut plonger. Ah, il faut encore appeler. Putain, mais s'il faut à chaque fois utiliser l'aigle... pour plonger. Non, je vais pas le voler. Je suis pas une raclure. Ah, mais il m'a dit cible localisée. Ah, mais il l'avait. Il l'a localisé tout seul. Ok. Mais il a une vue de ouf, hein, mon aigle. Hein. Il y a encore des trucs là, il y a des trucs partout en fait. La pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. On vous présente Balek, champion du monde d'apnée 2017. Voilà, je m'assois. En fait, on va l'appeler Proof. On t'a dit Proof tout, en fait. Tout Proof. Donc même flèche. Ah mais en fait tu fais ta vie là. Où c'est qui m'amène? Attends, je me suis assis, je peux plus me relever? Mais non, pas prendre une photo.
Donc pour se relever, il faut appuyer sur le bouton de garde. Non mais tu m'enlèveras pas de l'idée que les... c'est n'importe quoi leur mapping de bouton. Hein. C'est pas de la mauvaise foi, hein. Il y a des trucs qui se font depuis des années qui marchent très bien, je vois pas pourquoi tu révolutionnes juste pour révolutionner. Hein. Déjà rien que le système des attaques sur les gâchettes, c'est juste n'importe quoi. Parce que tu vas utiliser plus les attaques avec que ce soit l'attaque faible ou l'attaque lourde que tu vas attaquer, que tu vas utiliser le dash par exemple. Donc ça veut rien dire quoi. Qu'est-il passé? Pourquoi il n'y a pas de patients dans les ruines du temple? Les soldats nous ont chassés. J'ai beau payer le nomarque pour utiliser le temple, à chaque lune, les soldats viennent prendre nos vivres et nos remèdes. Ce sont toujours les mêmes soldats. Ils appellent ça le tribut, un impôt pour l'armée royale du pharaon. Nous avons à peine de quoi prendre soin des pauvres âmes qui ont besoin d'aide. Les vautours. Ne t'en fais pas, Rabia. Je vais m'assurer qu'ils ne viennent plus vous ennuyer. Sois prudent, Bayek. Voilà, tu m'envoies buter la terre entière, mais il faut que je sois prudent, évidemment. Non, mais quand je dis c'est pas de la mauvaise foi, c'est parce que je pourrais être de mauvaise foi du fait que je n'aime pas les RPG et trouver tous les défauts du monde. Mais là, non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un RPG, c'est juste les boutons qui sont super mal pensés. Mais non, j'ai tapé en premier, va fou. Mais tu sors d'où, toi? Ah mais j'ai pas l'habitude de marquer, moi je trouve que ça se pointe. Bref. Ah puis là, lâche-le. Et si le nomarque apprend pour Norazia? Ça fait 10 ans que le gameplay c'est un gameplay de beat'em all quoi. Moi j'ai pas envie de me faire chier à contourner les ennemis, les dasher. C'est pas ça Assassin's Creed quoi. Pourquoi je suis allé ici alors que les objectifs c'est pas du tout ici en fait? Ou alors si, il y en avait plusieurs et j'en ai déjà fait un. Ah, pas grand chose cette fois. Crève, sale charogne. Ah oui, il y avait des objectifs secondaires, il disait. Trouver l'énigme de Papyrus. Ok, donc là, c'est des flèches. Récupérer. Non, mais c'est toujours l'objectif principal, ça. Ça, c'est encore des flèches. Position,
Bien vu, Iti. C'est parce que j'ai pas encore le réflexe d'utiliser le sonar de dauphin, en fait. Mais dès que je me serai mis dans la tête qu'on joue à Echo, tout ira bien. Donne-moi ton pognon. Bayek, tu as réussi. Iti, il explique mes blagues maintenant. C'est parfait. Vous n'avez plus à craindre ces soldats. Tous mes patients te remercient. Oh, j'ai failli oublier de te donner les remèdes qui étaient au fond. Avec toute cette agitation, je les avais oubliés moi aussi. L'oasis de Siwa a de la chance de t'avoir, Abia. Promets-moi de ne pas te laisser consumer par la vengeance, Bayek. Je ne pense qu'à ça. Avec la grâce d'Amon, un jour, j'en serai libéré. Niveau 5. Un point d'aptitude. Cool, on va retourner dans les menus, il y avait longtemps. Qu'est-ce qu'on va acheter donc? Méfie-toi des apparences. Quelles apparences? J'ai du mal à suivre les conversations sur le chat. Pourtant, c'est pas les quêtes qui me palpitent, hein, je vous le dis. Ah, ça, ouais, je veux bien, ouais. Ça, mais, ah oui, mais ça coûte 2, donc on va attendre le prochain point, parce que ça me tente carrément, ouais. Ça, c'est le genre de truc qui va me simplifier la tâche. Faut voir sa réplique précédente pour comprendre. Les dauphins, c'est tous des violeurs. Mais pourquoi les dauphins, c'est... Non mais après, le Gadjo, je le connais, hein, c'est mon frère, hein, donc je les connais, ces blagues pourries que je comprends pas et que des fois j'arrête d'essayer de chercher à comprendre parce que... Ouais, on va attendre le point suivant. Moi je fais je fais style, j'ai compris la blague, mais en fait, je comprends pas la corrélation entre le dauphin et le violeur, quoi. Alors, la map. On a le droit à une quête principale maintenant, ou je sais même plus si je suis en train de faire de la principale ou de la secondaire depuis tout à l'heure, du coup. Piller le trésor. Quête annexe. Il fallait pas avoir le niveau 5 pour faire la quête principale, c'est celle-là? C'est quoi ça? Ça, je l'ai fait, ça. Ah oui, ah bah alors ça. Ça, c'est tellement évident. Quête. Quête, toutes les quêtes. Ah, c'est celle-là, la quête principale. Mais pourquoi elle apparaît pas sur la map? Non, mais... Moi, je suppose qu'il faut réutiliser Jean Roberto. Voilà, j'en étais sûr. Grimpe, Jean Roberto.
Ok. Non mais ça je l'avais vu ça, il avait montré à l'E3. Normalement t'es censé marquer toutes les cibles, tout ça, prendre ton temps, mais nous on n'est pas là pour ça, hein. Nous on est là pour l'entertainment, hein, donc on va y aller, on va le buter et on n'en a rien à faire. En mode Spider-Man, Spider-Man. Mais c'est pas assez haut hein, qui fait que tu passes tout ton temps dans les menus, hein. C'est tous les RPG, hein. C'est pas des jeux vidéo, c'est des jeux de menus. Fais dodo. Il se déplace hyper vite, lui. C'est le mec qui descend le plus vite les escaliers du monde. Mais il faut leur mettre combien de flèches à ces mecs? Justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts. Des ah, 6 flèches près, ouais. T'étais hyper près. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papo. 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 Ah, que papo. Ok. Les cinématiques sont belles. On va dire du bien un peu, hein, parce que depuis tout à l'heure, on dit que du mal. Puis ça va, hein. Les temps de chargement sont courts aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y a même des temps de chargement au temps de chargement. Un an plus tôt. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. What the fuck, c'est stylizing sur une cinématique, quoi. Prêt? Oui. Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? Ah ben, on va chercher un didacticiel. Votre bouc d'un mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? C'est le Medjay. Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Allons chasser le didacticiel. C'est pas vrai. Et la grandouillenne alors. C'est pas comme si ça faisait déjà 3 heures qu'on chassait. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu.
Barrez pas les flamands. J'aurais dû fiser un flamand en fait. Ah mais non, on va chasser un crocodile. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Le troupeau n'est pas loin. On n'est pas après n'importe quel mal. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Ah, faut rappeler encore ce putain d'aigle, mais sans déconner, foutez-moi la paix avec votre drone, là. C'est nous. Allez, viens me voir. Putain, mais les mecs, ils ont inventé une phase de gameplay, ils se sont dit, on va vous la montrer, hein, normalement. Anubis, voici ton cœur est plus lourd qu'une plume. Tu n'as pas le droit de fausser la balance. Non, c'est pas lui que je veux, c'est l'autre. Tu vois ? Mais touché. Ça lui a fait mal. Non, ça lui a pas fait mal. Hein. Plein cœur ne fait presque pas souffrir. Allons chercher cette. Mais oui, mais c'est un putain de drone, mais on le sait, ils l'ont récupéré dans leur jeu précédent. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. C'est un drone de Watch Dogs 2 et ils y ont mis juste un déguisement de d'aigle. Si tu venais avec moi à ses côtés. J'ai le droit ? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai ? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger. Mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux. Mais parfois, c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois, moi aussi, j'avais peur. Ton grand-père... Est-ce que tu sais grimper, gamin? Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderai. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Mais il sait grimper, ce petit merdeux. Il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te le dirai quand on arrivera. Il m'a dit, Pierre, d'ici on voit ta maison. Un seul mot. Il m'a dit juste un seul mot. Rhododendron, ça fait des années que je me demande ce que ça voulait dire. Ça devait être une pensée spirituelle. Pierre ? Pierre ? On est exactement à 55 mètres, Pierre. Ah, l'autre gamin, il se barre, lui. Ah non, mais... Ah, il sait pas grimper, en fait, c'est un escroc. Eh, Rodrigo ! Mais où il est parti, ce con ? Mais qu'est-ce que tu fous? Ouah, Pathfinding sur 20, quoi. Mais t'as pas l'impression d'être un branleur? C'est moi qui est censé te montrer le chemin. Enfin, qui suis censé te montrer le chemin. Si tu le dis. Fils. Quel mot il disait ton père déjà? Saute. Ah oui, effectivement. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa.
Mais pousse-le. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, fils, je te déshérite. Bon, reviens, tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papo, je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. C'est Shenzira. Mais non, c'est un autre père qui veut dire à son fils de sauter et qui veut pas. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Mejai Bayek. Va, allez. J'ai peur, papo, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemo, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. C'est bien, tu parles bien à ton fils. Ça, c'est des bonnes valeurs, tout ça. Pour une fois, arrête d'être une lopette, bordel. Je suis bien le Mejai ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah. Affronter les soldats. Tiens. Alors le dash. Qui es-tu pour me donner des ordres? Ouais, qui es-tu? Regarde, je suis un ouf, je fais de la capoeira. Regarde, tu m'auras pas, je fais trop bien de la capoeira. Pourquoi il charge pas? Ah, t'es sérieux toi? Je vais mourir. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que fait? C'était prévu que je meure ou faut que je recommence? Le temps de chargement dure plus longtemps que le combat. Bon, ils ont pas été convaincus par la capoeira. Hein. Même si je lâche une caisse. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, seigneur. On est resté dans l'ombre. Il est bien ton chapeau, je peux en avoir un? Non? Trop tôt pour les blagues? Ok. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Mejai. Il est d'une importance cruciale que nous avons. Y a pas un modo qui voudrait virer IT63 qui se fout du niveau de difficulté dans lequel je joue? S'il vous plaît. Modo? Modo? Non? Personne? Bon, c'est bon pour une fois. Hein. Prochaine fois, c'est moi qui prends les choses en main. D'accord. Bah du coup, à chaque fois que tu fais start, ça coupe les dialogues. Comme la musique. Qu'est-ce que j'ai fait? Silence. Il va venir me rechercher si j'arrête de bouger? Power Ranger. Putain, on est tombé sur la secte des chapeaux pourris, mec. Veillez à ce que personne n'entre. Casquette à l'envers. Tu es blessé. Vas-y. Essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça! Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. Je te tiens, tu me tiens par là. Aïe! Tout va bien. L'enfant est effrayé, son père vient de prendre une grosse patate avec un gros coup de pied dans la gueule. En tant que
Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Oh, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Seigneur, le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Vite. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Aïe. Papa. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Mais je te l'ai déjà dit plein de fois, on dit papa. Ça va deux secondes, ta dyslexie. Ah bah, top discret en plus. Non, je ne sais rien. Nous devons partir. Je vais arracher le cœur de ce garçon. Non, attends. Il ne connaîtra jamais l'autre monde. Non, je vais parler. Il veut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est ? Arrête ! J'ai le droit à un deuxième round ? Le serpent considère que c'est ta réponse. Mais t'es le pire assassin de l'univers Mais enlevez-lui sa capuche. Oui, bonjour, je me présente au poste d'assassin. C'est quoi votre CV ? Bah, j'ai tué mon fils. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne. Baguette de nulle part. Misérable père de personne. Ah, tu l'as pas volé celle-là. Elle voulait pas arrêter de vous battre avec des pommes d'Éden sans déconner. C'est des artefacts hyper fragiles. Gilles. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Fut un temps, les pommes d'Éden, tu les tendais, t'arrivais à contrôler tout le monde, maintenant tu t'en sers comme gros caillou pour fracasser la gueule des gens. Bon, bah, c'est une conception des choses, hein. Si vous en cherchez un, il suffit d'aller dans une église, ils vous l'attendront. Référence au magnifique film Assassin's Creed. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. C'est ça, il y a marqué au but dessus. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Alors, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Bon, les autres alibis, c'est fait. Eh, 1250 XP. On va passer au moins niveau 6, là. Donne-moi mon point de compétence, s'il te plaît. Je te remercie. Bon, tiens, il y avait longtemps qu'on n'était pas allé dans les menus. Ça, c'est fait.
Eh, hey, on a une boule de pétanque dans notre inventaire. Je vous dis que c'est pas la peine de. Tu crois pas que ça vaut rien au marché noir en fait, hein? Tout le monde en a une. Moi, je l'ai acheté pour 45 euros sur le site d'Ubisoft, hein? Ils ont dû faire pareil. Hein. Ce personnage est important. Cet artefact est important. Ouais, c'est pas passé à grand chose que tu la comprennes pas la référence, hein. À 24 heures près, c'était mort. Ok, j'ai récupéré un papyrus, mais je sais pas du tout à quoi ça sert, hein. Bien d'accord. J'ai des babioles, je suppose que ça doit pouvoir se revendre. Ouais, voilà, sûrement, ça a de la valeur. Putain, ce chat, il coûte 80 pièces, quoi. Ce collier est dégueulasse aussi. Il y a une quête annexe. On va aller la faire tant qu'à faire, comme ça sera fait. Niveau suggéré 5. Ah mais c'est pour la quête principale ça. C'est quand qu'on peut faire du temps présent là et qu'on fait de la méta-histoire? Parce que c'est sympa les quêtes FedEx, mais. Non là. Arrêtez 2 secondes de la mauvaise foi, là, la quête principale, elle était cool, les cinématiques étaient belles. Hein. Et effectivement, E.T., le sang était super bien fait. Je suis pas sûr que je puisse passer à travers ce truc, je pense qu'ils vont pas être super fans de ma visite. Qu'on va contourner. Quoique non, c'est pas rouge à première vue. Objectif à proximité. Appeler encore ce putain d'aigle. Oui, donc. Putain, j'arrive pas. Quand même, ça grimpe. C'est bien, mais honnêtement, c'est vraiment complètement accessoire. Hein. J'aurais pu y aller à pied et tomber sur le truc, si tu veux. C'est juste histoire de me faire utiliser leur putain de drone, quoi. Non, mais ça, j'ai bien vu que c'était une quête secondaire. Je me demandais juste quand est-ce qu'on allait avoir les. Enfin, un peu de temps présent, quoi. Parce que moi, c'est ça que j'attends depuis le début du jeu. Je comprends même pas d'ailleurs qu'ils aient pas introduit ça dès le départ, qu'on soit directement dans la peau de l'assassin. Qu'est-ce que tu fais? Bayek, tu es revenu. Moins fort. Ils vont t'entendre. Qui va m'entendre? Les brigands. Ils se sont emparés de la source. Presque tous les habitants de cette partie de Siwa viennent s'y approvisionner. Juste après la bière, ok. Oui? Tu veux rajouter un truc? Non? Tu te racles la gorge, c'est tout? Je reviens, hein, je fais juste un pit stop, je recharge ma cigarette électronique. Après l'effort, le réconfort. Allez, Balek, on y retourne. Oula, il y a un paquet de brigands là. Mais non!
Ça pète les headshots. Ah, il y a un connard. Il y a un connard. Ah, il y a un deuxième connard. Je suis pas là. Tu m'as pas vu. Je suis caché dans mon nez. Oh, ce dash réflexe de la mort qui tue. Je sais même pas comment je l'ai tué, j'ai eu l'impression de tirer à côté. Ah mais il y avait plein de trucs à l'entrée. J'ai pas utilisé de flèche. Je sais pas comment je fais pour récupérer des flèches depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tirer avec et... Bon, descendons. Descends. Non, tu veux pas descendre. Non mais j'ai pas besoin de lumière, ça va, déconnez pas, je suis pas aveugle. Ok. Hey, un bouclier qu'on va pouvoir revendre. Ah, il y a 3 trésors à piller. Bon, on va chercher. T'as une quête que t'as pas déclenchée au sud aussi, très très courte. C'est magnifique le mouvement là. Ouais, apparemment il y a 3 trésors, mais là c'est bien, tu vois, c'est comme ça. Tu cliques sur le stick gauche et ça t'affiche les objectifs. Donc on va chercher. Ça c'est encore des flèches. Ah. Bonjour Roberto. Au revoir Roberto. Voilà. Les brigands y réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Ah, ce qui est cool c'est qu'il me laisse le temps quand même de chercher les secondaires même quand t'as fini la principale. Donc ça c'est sympa. Fallait peut-être aller en haut en fait. Oh oh. Mais non! La source, tu l'as reprise? Louons les dieux! Les paysans en ont absolument besoin! Tu as ma gratitude, Bayek. C'est comme si notre Medjay était de retour. J'aurais pas dû me laisser le rattraper. Camon accompagne. A mon avis, je suis de la baise. Ah non. L'objectif apparaît toujours. Donc on va monter. The Spider-Man. The Spider-Man. Alors oui, je sais, il y a des escaliers et un échafaudage, mais ça va plus vite avec Spider-Man. Ou pas. Voilà. Ou pas. Ça, c'est juste des flèches. On va continuer à grimper. Allez, Echo, fais péter ton sonar. Il y a un deuxième trésor ici. Aïe. Non, Hilton, c'était pas tellement l'Égypte antique. C'est le Montpellier Hero Sporting Club. J'en ai trouvé 2 et je vois pas trop où est le troisième. Ah bah si. En fait il était là-bas et je l'ai pas pris. Aveugleman, aveugleman. Voilà. Cassons-nous d'ici. Enfin, si on trouve la sortie, en fait, parce que... Parce qu'il faut pas déconner. On a quand même...
sans zone orientation légendaire. Alors, Monsieur Itty m'a dit que j'avais encore une quête que j'avais pas déclenchée. Quête au sud. Ah, celle-là. Quête annexe. Je pense que c'était celle-là. On va y aller en canasson là, hein, parce que... Et je me suis encore trompé de bouton. Et je me suis encore trompé de bouton. Allez, Choual! Est-ce que tu peux sauter la falaise, Choual? Tu peux! Ah bah non, tu peux pas. Quelqu'un pour récupérer des restes pour faire des lasagnes? Ah ouais, mais il est carrément mort, Choual. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu au programme. Il se relève ou pas? Ah, il se relève. Monture indisponible? Mais il est vraiment mort? C'est pas une blague. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis dans une zone où c'est pas possible? Je sais pas. Déconne pas, Choual, hein. Eh, je déconnais, moi. J'étais pas obligé à sauter, hein. En plus, il a déjà un nom, il s'appelle Croc. Increvable ce Choual! La ressuscitation du Choual! Cheval de Roumain! What? C'est quoi ça? Quête non. Merde, j'ai pas eu. What? Quête non suivi proche. Merde, mais je comprends pas. C'est qui me la donne? C'est quoi? Ah merde. Bon, on va aller faire la quête FedEx DT. Mais non! Mais non! Mais non! Ah, mais je peux faire ça? Il fait quoi? Il va où? Putain! Oh putain! Il y a un putain de GPS! Je peux poser la manette à la cool! Allez! Regardez bien le fil, hein, parce que quand il devient rouge, je sais qu'il faut freiner. On est dans Forza, là. Hein. Non, mais en vrai, tu vas pas faire le tour de la dune, hein. Déconne pas. Hein. Des dieux dans le ciel. Un jour, ton grand-père m'a dit qu'ils indiquaient aussi notre place dans ce monde. Ouais, c'est les satellites qui étaient pas bien calés, E.T. Ils ont fait des progrès depuis. Tous les cercles de pierre. Le sphinx et les pyramides aussi. Et je trouverai ma place.
tu auras les étoiles. C'est Christ. Trouver la constellation. Ah, ok, d'accord. Faut trouver l'équivalent dans les étoiles. Ah. Papa, pourquoi il y a tant de pauvres chez nous en Égypte, alors que ceux qui ne sont pas d'ici sont riches? L'Égypte a oublié qui elle est. Beaucoup préfèrent la richesse à l'honneur. À la fin, les deux leur échappent. Et ils perdent la justice. Nous sommes des Medjay. Nous rendrons la justice et l'honneur à l'Égypte. Oui, mon fils. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Nous sommes fidèles, quelles que soient nos origines. Ah, le truc, Amon, c'est... Le roi des dieux. Divisé en deux formes. Amunet, la grande déesse de l'invisibilité. Et le maître... Ah, gameplay sur 20. Allez, admettons que c'est sympa, ça. Enfin, sauf s'il faut chercher 2 heures, mais... Gros avantage, c'est que j'ai joué à peu près 3 fois plus que E.T. et que je pense que j'ai fait 3 fois moins. On peut encore réinteragir? On peut le faire combien de fois ce truc là? Mais c'est la même. Et du coup, ça sert à rien. Ah ben voilà, en fait. C'est l'observation, ouais, c'est bien, on va cesser l'observation. Ah si, si, je, voilà. Moi, il me dit interagir, j'interagis. Moi, je suis bête et discipliné, hein. Choual, ramène ta fraise. Mais qu'est-ce que tu fous sur les cailloux, là? Mais non. Donc là, j'ai voulu monter sur le choual. Oh putain. Non bah après on dit ouais c'est de la mauvaise foi, tout ça, tout ça. Bon, on s'écarte de ce truc et on rappelle Choual. On est bien d'accord que c'est le même bouton pour interagir et pour monter sur le Choual. Il y a un point d'interrogation là. Peut-être qu'on verra plus tard. Ça, c'est des photos. Ah oui, c'est vrai. Monsieur E.T., il a dit qu'en fait, il fallait retourner sur quête pour activer la principale. Quête principale niveau 5, donc non. Et quête annexe niveau 5. 3000 XP, hein. Waouh, elle fait du bien celle-là. Découverte inattendue d'un antique et énigmatique, le cercle de pierre fait remonter des souvenirs chez Bayek. Il décide de tenir une promesse oubliée. Ah bah oui, bah c'est encore un truc... Ok, bon, bah on va y aller. Il l'a pas marqué du coup. Pourquoi ça apparaît pas sur la boussole? C'est où? Trouver 1 sur 12. Ah, ok, je peux pas les trouver. C'est bien, du coup, il me la propose dans les quêtes, mais je peux pas la trouver, quoi. C'est logique, hein, c'est... RPG, quoi. Bon, bon, on va boire une bière, alors. Tchè avec vos conneries.
Ce stream est certifié 100% mauvaise foi free. Si tu me spoiles, je te jure que je te kick vraiment. Hein. Et j'active le virus sur ton PC. Le virus dormant que j'ai laissé avant de partir. Ah, t'as de la chance que je savais déjà qu'il y avait un nouveau Desmond, hein, parce que sinon c'est un spoil en soi. Hein. Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medunamul, prêtre du pharaon. Non mais oh! Allez, Choual, va faire ta vie. Va ressusciter ailleurs. Ou va apprendre à sauter des falaises parce que t'es pas très doué encore à ça. Non, il n'y a pas vraiment de Desmond. Hein. Enfin, si, vite fait, c'est toi. Enfin, bref. C'est pourri, quoi. T'es prêt à partir ? Le voyage sera long. Je sais pas. C'est une question piège. Faut que j'améliore mes armes d'abord, peut-être ? Je dois quitter Siwa. D'autres coupables attendent leur juste châtiment. Surtout celui qu'on appelle le serpent. Comment vas-tu trouver ces hommes ? Aya est sur leur trace, à Alexandrie. Je dois aller la voir. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à son cousin à la bibliothèque. La bibliothèque ? Et elle m'a demandé de te transmettre un message. Sarapis. Sarapis. Le dieu que les Grecs et les Égyptiens partagent. Bien sûr, je vois. Et Bayek, occupe-toi de cette barbe. Quelle barbe ? Je vois pas de quoi tu parles, c'est un chiffon. D'accord. Il sait pas la batterie. Hein. Oh merde, Leila, tu dois reprendre de la cyclosporine, vite. Leila, on se réveille. Putain, le nouveau Desmond, c'est une meuf. De ne pas m'appeler comme ça. Oui, mais si je veux attirer ton attention, je dois te mettre en rogne. Je fais attention. Bon, tu dois faire une pause. L'animus te rejette. Ah, t'inquiète. C'est pour tes reins que je m'inquiète. Augmente la dose de cyclosporine avant qu'il te lâche. Oui, madame l'infirmière. Le motion blur était dégueulasse. Alors, ça s'est passé comment ? Mes modifs tiennent. Les mémoires du sujet sont parfaitement claires. Ça ne convainc pas Abstergo de m'intégrer au projet Animus, rien ne le fera. Oh, super ! Qui tu as là-dedans ? Il s'appelle Bayek de Siwa. À la mort de son fils, c'est devenu un tueur. Il peut intéresser Abstergo ? Arrête. Ils vont pas aimer la manière dont t'as géré cette mission. Ils savent que je me fous des règles. Peut-être bien, mais on peut dire que cette fois, t'as dépassé les bornes. Et ça n'aura plus d'importance si t'es dans le coma. Allez, va prendre cette cyclosporine. Ok. Tu cherches donc, toujours la cyclosporine ? Mais ta gueule, je fais un tour. Mise dans la trousse médicale. Ouais, bah c'est bien. On va pas y être souvent dans... Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles ? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole, celui-là. Putain, c'est sa momie. Mais attends, c'était que seulement les gens hyper importants qui avaient le droit d'être momifiés. Si c'est juste un assassin... Enfin, un tueur, en l'occurrence, c'est ce qu'elle vient de dire. Bref. Ouais, on va aller chercher ta trousse, fous-moi la paix. Tu cherches toujours la cyclosporine ? Non. Je suis sûr d'avoir mise dans la trousse médicale. C'est bien. Une barre. Non, une demi-barre.
Une demi-barre, je crois que c'était un message subliminal, Cyril. Qu'est-ce que c'est que ce système d'exploitation? Et qu'est-ce que c'est que ce fond d'écran? Il y a des tonnes de documents dans l'ordinateur. J'ai pas eu la patience. Ah non mais t'es un malade toi, c'est tout l'intérêt de Assassin's Creed. Ben ouais, bah j'espère que vous aimez la lecture parce que je vais pas passer à côté. Hein. Abstergo, alors attends. Quête de sang, récupérer la cyclosporine dans la trousse médicale, ok c'est cool. Je comprends pas bien leur. Oh putain, il est trop sensible mon stick. Météo 18 degrés, super. C'est pour aller à la corbeille ou c'est pour tout mettre à la corbeille? Non, il y a des trucs dans la corbeille. Oh my god. Alors c'est un mail de Sophia Rikin à Leila, donc apparemment bah, la nana qu'on est en train de gérer, le 31 août 2016. Adieu Leila, l'email a été supprimé. Leila, il n'existe pas de manière agréable de dire ceci, alors je vais être franche. Nous sommes rencontrés il y a des années, je me rappelle encore la première fois où je t'ai vu traverser le bâtiment McLaughlin à Berkeley et me dire que tu serais parfaitement à ta place au sein du groupe Jeunes Innovateurs d'Abstergo. Et je t'ai regardé faire le grand saut dans l'inconnu. Mais le fait est que malgré tout ce que tu nous as apporté, je suis toujours incapable de décider si je peux te faire confiance et t'intégrer au projet Animus ici à Madrid. Donc là, je pense que c'est une référence au film, du coup, hein, le coup du projet Animus à Madrid. Combien de sanctions ont été ajoutées à ton dossier opérationnel après que je t'ai demandé de respecter les limites de tes fonctions? Trop, Leila, beaucoup trop. Tu es un esprit brillant, mais tu es totalement imprévisible et je ne peux pas prendre le risque de faire venir au labo un électron libre qui mettrait en péril les progrès de toute l'équipe. C'est déjà assez dur de maîtriser les sujets. J'aimerais pouvoir faire plus largement appel à tes qualités, te confier une tâche en sachant que le lendemain, je te trouverai en train d'affiner les détails et pas à la cafétéria en train de remettre de l'ordre dans une portion de code hautement classifiée sur un ordi portable non protégé. Travaille dur, Leila, et oublie l'éventualité de rejoindre le projet Animus. Concentre-toi sur les délits de la division recherche historique. Ils sont faits pour toi. Un jour peut-être, si tu te ressaisis, je reprendrai contact avec toi, comme je l'ai fait à Berkeley. Mais d'ici là, je te demande de respecter ma décision et de cesser de me contacter. Elle s'est donc fait virer. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est chez les méchants, là. Du coup, c'est pas vraiment une Desmond. Parce qu'elle a l'air de vouloir travailler pour Abstergo, mais est-ce que c'est un agent double ou... Enfin bref. Évidemment que la première chose que tu vérifies, c'est la corbeille. Alors là, c'est Leila qui écrit à Ashraf et Zeynab Hassan. Objet salut. Brouillon, c'était un brouillon de mail qui n'a pas été envoyé. Ah, elle écrit à ses parents. Salut, maman, salut, pas. Ça faisait un moment, j'espère que vous allez bien. Oh, et mes frères sur protecteur aussi. Ma prochaine mission m'emmène en Égypte, je pars demain, et ça me fait penser à vous. Bon, je ne suis pas censé dévoiler les détails sur ma mission. Vous savez ce que je pense des règles. Retourner en Égypte, je ne sais pas, ça me paraît bien. J'ai eu envie de vous le dire. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais moi j'ai l'impression que tout est en train de se mettre en place, vous voyez? Vous ne m'avez jamais pardonné d'avoir laissé tomber Berkeley, mais finalement j'ai trouvé une place chez Abstergo et j'ai réussi à me faire un nom. Et aujourd'hui, ça me vaut de revenir dans le pays de nos ancêtres à titre officiel.
et pas voyager comme une hippie. Ce sont les mots exacts que tu as employés, papa. Peut-être que ça vous fera plaisir de le savoir. Je pourrais peut-être passer vous voir à mon retour. On pourrait inviter Rami et Kaden et discuter comme des adultes. Enfin, si Kaden a appris ce que signifie être adulte. Et je pourrais vous raconter mon voyage. Et puis j'ai travaillé sur un autre truc. Je ne sais pas si vous serez vraiment d'accord avec ça, mais je crois que je suis sur le point de frapper fort. Et si je vous le montre, vous comprendrez pourquoi j'ai quitté Berkeley, comme je l'ai fait. L'entêtement est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à sa fille, papa. Ouais, j'ai cassé le téléphone de la famille il y a 20 ans, mais c'est ça, le téléphone et tous les appareils que j'ai pu sacrifier depuis, qui me permet de fabriquer une machine d'enfer aujourd'hui. Ok, c'est un petit génie de l'électronique qui a créé son propre Animus, quoi. Encore un mail de Leila à Rami Hassan. Fais ce que je te dis, c'est encore un brouillon non envoyé. Rami, pour faire court, je suis dans le quartier des souks, très animé d'Alexandrie, en Égypte, pas Alexandria de Virginie, Rami. Et je n'ai pas de temps à perdre avec l'étiquette des mails. Il faudrait que tu m'envoies une photo de maman, celle qu'on a prise en Floride pendant qu'on visitait tous les parcs. Je crois que j'ai trouvé l'écharpe idéale pour remplacer celle qu'elle a perdue pendant le voyage, il y a toutes ces années. Oh, et ne leur dis pas où je suis, c'est une surprise. C'est pas très très gentil d'être un méchant. Mais non, mais j'avais cru comprendre qu'on était... qu'on allait avoir de nouveau un remplaçant à Desmond, et je me voyais de nouveau retrouver Sean et Rebecca, tu vois, et en fait, non. Mais peut-être qu'elle va, à force de vouloir travailler pour Abstergo, et à force qu'il l'envoie chier, peut-être qu'elle va changer de camp, je sais pas. Pour une fois, ça serait sympa. Bah ouais, mais en fait j'avais peur que ça foute tout à la corbeille, le bouton corbeille et team, mais en fait, bah non. Par contre, nous on est elle, mais c'est quoi ça, du coup? Ah bref, on va commencer dans l'ordre. C'est quoi ça? Email? Ah ouais! Ah ouais! Waouh! Minuit 17. Bon, bah. Ok. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un tweet? Vous avez une histoire qui ressemble à de la fiction, mais qui est de la science postella. Entre les décérébrés et les esservelés, il y a du boulot, et soyez polis. Ou je vous fous dehors pour commencer. C'est quoi ces trucs? Ça a l'air d'être un espèce de Twitter, non? Ah mais je peux pas laisser couler les docs, c'est tout l'intérêt d'Assassin's Creed. Toi tu connais pas les histoires, mais moi c'est là-dessus que je suis à fond. En fait, l'histoire de Balek, je m'en Balek, hein. Enfin presque. Enfin, elle va être intéressante, elle sera sûrement cool, parce que c'est l'Égypte antique, mais... Non mais en plus, toi ça te spoil, tu vas avoir le jeu la semaine prochaine, Cyril, donc ouais, te prends pas la tête avec ça, mais moi je vais les lire, hein. C'est ça qui m'intéresse. Ou alors je les lirai... Ah non, j'ai pas envie de les lire hors ligne, je suis même pas sûr de pouvoir revenir facilement ici, donc... Un autre prétendu manuscrit de Voynich est apparu à une vente aux enchères la semaine dernière à Athènes en Grèce. C'est la troisième fois en 10 ans. C'est marrant la manière dont ce manuscrit continue d'apparaître dans les livres d'histoire pour être volé peu de temps après. Et pourquoi? Des croquis de fleurs et des formules ésotériques? Il paraît que même Abstergo s'y intéresse de près, mais je vous ai rien dit. Espèce de messager interne... Les boules de cristal existent et elles ressemblent à des ordinateurs. La cliodynamique n'est pas très éloignée de la psychohistoire d'Asimov. Des scientifiques du genre prospectiviste utilisent des données historiques afin de construire des modèles mathématiques qui les aident à prédire l'avenir. Jusqu'ici, ils sont tombés assez justes. Le problème, c'est que leur futur n'est pas beau à voir.
Vous feriez confiance à votre bécane pour vous dire ce qui va arriver? L'avenir n'est-il pas vraiment qu'une suite de chiffres? Suzy Patuti met au défi les utilisateurs de We're Mind Blown de construire le meilleur flipper maison de tous les temps. Les participations doivent être envoyées avant le 18-6-2017 accompagnées d'un lien présentant le flipper en action. Ce n'est même pas la peine de concourir s'il n'y a pas d'effet lumineux ou sonore. Hashtag brocoli de génie, hashtag bidouille cool. Salut, je suis Léa Hassan et j'organise une question-réponse le 7 juillet 2017. Alors n'hésitez pas à me demander n'importe quoi sur Weird Wind Blow, les life hacks, le tuning de clavier, les technologies de pointe, la zététique, le classic rock et mes voyages. Mais sachez tout de suite que je ne parlerai pas d'Abstergo Industry. J'aime bien utiliser le mot non. Alors faites un effort et ne posez pas des questions chiantes. Ouais, bah écoute, bonne nuit, Lançois Leco. Et puis voilà, normalement, je n'étais pas extrêmement spoilé le jeu. Hein, donc. Ouais, et puis il est minuit et demi, hein, donc il n'y a pas de souci, va te coucher. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr, de toute façon, j'ai déjà vu, en lisant les tests des trois sites majeurs français, j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de petits easter eggs cachés dans tous ces trucs-là, donc forcément... Ce manuscrit est important. Alors, les radars de pénétration de sol permettent d'explorer ce qui pourrait être craché sur des monuments antiques. Des cavités ont été détectées sous les pattes du sphinx il y a une vingtaine d'années. La plupart sont des grottes naturelles, mais d'autres méritent d'être examinées. L'une d'elles pourrait-elle être la mythique salle des registres, une bibliothèque perdue à l'instar de celle d'Alexandrie? L'idée n'est pas nouvelle. Gladstone Kit Rage Esquire a déjà mené des fouilles au 19e siècle dans l'espoir de mettre au jour ce savoir oublié. Ok, je sais pas bien ce que c'est, mais bon, là au moins je vais pas lire, il y aura juste à écouter. Salut les nuls, j'aime bien les titres. Ah oui, en fait, dès que je passe le curseur dessus, il fait comme si je les avais lus. Bah ouais, RPG, va falloir faire avec de toute façon. Mais bon. Allez. Salut Berkeley, et merci pour ce moment. 21 mars 2006. Le jour où Leila Hassan quitte l'université. Exact, professeur Moore, je ne terminerai pas ce devoir sur Jenner. J'ai trouvé un boulot et je pars pour Philadelphie la semaine prochaine. Rester le cul posé en classe, c'est pas pour moi. Mes parents flippent, mais ils se feront. Je vais rejoindre le monde réel, me faire du fric et en plus, je serai plus près de chez eux. Mais ça veut pas dire que j'irai les voir plus souvent. Sophia m'a promis qu'il y aurait toujours une place pour moi chez Abstergo, tant que je saurais me débrouiller avec une pince et un circuit imprimé. Bien sûr, je vais devoir travailler dur pour me faire une place dans son projet spécial. Mais ça ne me dérange pas. Il faudra pas longtemps pour qu'elle ou son père, Monsieur Alan Rickin, comprennent que je suis une pointure et me demandent de les aider sur l'Animus. Donc là, il parle de Sophia et d'Alan Rickin, qui sont les deux personnages principaux d'Abstergo dans le film Assassin's Creed, en fait. Sophia étant, si je dis pas de bêtises, le personnage joué par Marion Cotillard, et Alan Rickin, le personnage joué par Jeremy Irons. Qui... Ouais, bah non, je vais pas spoiler le film, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, mais si vous l'avez pas vu, ne le regardez pas. Parce que... Bah parce que c'est de la merde. Non, parce que en fait, E.T., je sais pas si tu remarques, mais il y a un petit tic quand tu l'as lu. Donc effectivement, il n'y a plus la notification de trucs nouveaux. Mais par contre, tu sais si tu l'as lu ou non. Ce qui est voilà, plutôt intelligent, du coup. Voilà, il y a une coche. Donc, du coup, ouais, elle veut travailler pour Sophia et Alan Rickin. Donc, ce qui est bizarre, c'est... Ou alors non, elle parlait d'Alan Rickin. On va peut-être le réécouter deux secondes. Salut Berkeley. Et merci pour ce moment. 21 mars 2006. Ah mais c'est un truc enregistré en 2006. Le jour où Leila Hassan quitte l'université. Exact, professeur Moore, je ne terminerai pas ce devoir
sur Jenner. C'est pour ça qu'il n'est pas encore mort. Voilà, ceci explique cela. Il y a un fichier Desmond Miles ? Il y a un fichier Desmond Miles. Ah oui, ici. Ouais, bah on y viendra. De toute façon, je pense qu'on va faire une grosse séance de lecture-écoute et puis on s'arrêtera là-dessus ce soir. Hein, il est déjà minuit et demi. J'en fais plus en lisant le dernier numéro de Wired sur les chiottes que tous les autres bras cassés du labo en une journée. Putain, le body band. Sérieusement, si les gens sont pas foutus de se remuer pour aller marcher, ils vont sans doute pas écouter une montre qui leur dit de le faire. Tout ça ne mène à rien. Je ferais mieux de retourner à... C'est probablement ce que le bodyband me dirait de faire. Ce que je dois faire, c'est fabriquer un truc qui va scotcher des gens et m'ouvrir les portes du projet Animus. Et c'est pas chez Abstergo Fitness que je risque d'y arriver. Je m'ennuie comme un rat mort. Mais il paraît qu'il n'y a rien de tel que l'ennui pour stimuler la créativité. Ouais. Je crois que le bodyband a besoin qu'on ajuste son programme de traitement du langage. Ok, donc apparemment elle est rentrée chez Abstergo en commençant à travailler chez Abstergo Fitness. Bah, je pense que c'est le seul moyen, s'ils ont mis ça, c'est pour qu'on puisse apprendre le background du nouveau personnage en fait. Quand on se trompe pas, on se sent chez soi. Les mêmes affaires, la même odeur de casier. C'est comme si j'étais jamais partie. Mais je l'ai fait. Et je peux pas oublier ce que j'ai appris entre temps. Difficile de dire comment ça affectera mon travail à la division recherche historique. En tout cas, ça va l'impacter. Ardan a organisé un déjeuner. Rien d'extraordinaire. Elle tenait à me présenter Diana Guéry, mon nouvel officier médical. On dirait qu'elle est née en plein milieu d'un champ de maïs, mais elle a l'air ok. Je reviens pas qu'elle ait posé des cookies maison sur mon bureau. Je sais pas pourquoi, je lui ai dit qu'on m'avait posé un lapin le week-end dernier. Je parle jamais de ma vie au boulot. Elle a l'air digne de confiance. Et ça, c'est indispensable si on veut rester en vie sur le terrain. Dommage que la plupart des unités tactiques d'Abstergo ne partagent pas cet avis. Non mais j'ai fait de la merde en fait, faut les lire dans l'autre sens. D'après les dates, faut les lire dans l'autre sens. Mais non, c'est pourri en fait, c'est pas... Ouais. Elle a l'air de vouloir rentrer chez Abstergo plus que tout, la question c'est pourquoi. Bah ouais, c'est ça la question. La question c'est de savoir pourquoi elle veut absolument rentrer chez Abstergo. Est-ce qu'elle rentre en mode agent double? Est-ce qu'elle veut vraiment travailler chez Abstergo? Est-ce qu'en se faisant refouler à plusieurs reprises de Abstergo, elle va changer de camp? Du coup, voilà, la question c'est dans quel camp elle est. Hein. Bon, j'avais commencé à écouter celle-là. En fin de compte, cet artefact d'intérêt majeur est aussi un personnage majeur. Une momie. Et une occasion en or. J'ai annoncé à Dee que je modifiais les paramètres d'affectation. Elle était furieuse. Mais je sais qu'elle a envie de tester mon animus sur le terrain. Abstergo s'en fout. Enfin, il s'en foutrait pas s'il l'apprenait. Mais ça n'arrivera pas. Les infos d'Ottaway étaient nulles. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur cette extraction. Le travail de terrain, c'est cool, mais j'ai pas quitté Berkeley pour ça. Si l'animus permet d'exploiter de l'ADN aussi vieux, si le lecteur peut modéliser les codons manquants et extrapoler les mémoires génétiques qui sont pas à moi, Sophia perdra son nom. Abstergo. Tout Abstergo viendra me supplier à genoux. Je deviendrai aussi célèbre que Warren Vidic. C'est clair maintenant. Dommage que le site de Madrid ait disparu. Mais je parie qu'ils vont bientôt en construire un nouveau. Il sera à Philadelphie et il aura pour directrice technique Leila Hassan. Donc là, ce mémo, il a été enregistré en 2017, donc on est contemporain. C'est le 26 octobre 2017, donc la date de sortie du jeu. Donc là, ils prennent bien en compte le fait que le site de Madrid a été détruit, c'est ce qui s'est passé dans le film. Et elle dit qu'elle veut être aussi célèbre que Warren Vidic. Je rappelle pour la petite information que Warren Vidic, c'est le professeur qui est dans les bureaux d'Abstergo avec Desmond dans Assassin's Creed 1. Et qui est... Enfin, je vais pas spoiler parce que E.T. a pas joué les autres, mais... Mais voilà.
Enfin, bref, c'est lui, Warren Vidic. Et donc, en gros, elle veut. Apparemment, d'après ce qu'on comprend, c'est que son idée, c'est d'utiliser l'animus pour séquencer n'importe quel ADN. Et pas seulement l'ADN de la personne qui va dans l'animus. En fait, ce qu'elle aimerait, c'était pouvoir prendre l'ADN de n'importe qui. Et j'ai rien dit. Et du coup, se balader dans les mémoires. Alors que jusqu'à maintenant, il fallait trouver une personne qui avait dans sa lignée l'assassin que tu voulais aller visiter pour pouvoir y aller. Donc, il fallait absolument mettre la personne dedans. Ok. Bah celui-ci, du coup, 2016. Domicile de Leia, Philadelphie, États-Unis. Le voilà. L'animus portable. Aucune trace dans le budget officiel. Mais tous ces emails, ces coups de fil à Madrid au milieu de la nuit, c'est en grande partie mon œuvre. Sophia, si j'avais su que tu voulais me drainer le cerveau pour me laisser au placard, je t'aurais jamais suivi. Fichez le camp! Y a pas de bonbons ici. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien. L'animus, je le sens. Je sais qu'il n'aurait jamais marché sans mon input. Suffit de voir comment ils ont. Le dissipateur thermique, les régulateurs de tension, la gestion de l'intensité par transistor. C'est moi qui leur ai dit que ça éviterait les pannes de... Qu'est-ce que c'est? Oh, salut, module de lecture d'ADN. C'est toi qui sonne à ma porte. Peut-être qu'il y a quelques bonbons ici, finalement. Ok. La conclusion, c'est que Sophia est incapable d'engager qui il faut. Tout le site de Madrid. Ah, ils ont vraiment de la merde dans les yeux. C'est pourtant facile. Il suffit d'analyser les entrées de mémoire génétique et de travailler à partir d'ensembles de données réduits. On pourrait même créer un modèle fiable à degré de synchronisation élevé à partir d'échantillons de données incomplets. Il faudrait mettre à jour le modèle de lecture et le logiciel de déchiffrement, mais c'est faisable. Madrid doit probablement plus sentir après avoir réussi à pondre ça. Pendant ce temps, je m'éclate avec du curry végétarien congelé, trois écrans plasma, un animus en pièces détachées et le premier album de Ra Victoria en boucle. Waouh! Dee sera furieuse quand elle découvrira que j'ai utilisé l'ADN de Milton. Mais elle s'attendait à quoi quand elle m'a demandé de l'aider? J'avais besoin du profil génétique de quelqu'un pour tester l'animus et... Je l'avais sous la main. J'ai agi au nom de la science. Je sais pas qui est Milton ou qui était Milton, ce nom me dit vaguement quelque chose, mais bref. J'aime les briefings du matin. Ils sont courts, sans trop de pipeau, et il y a du café gratos. On va pas chômer cette semaine. Dans 2 jours, Dee et moi on prend l'avion pour Alexandrie. Je sais pas pourquoi Hathaway tient à aller si vite. On nous envoie là-bas pour extraire un artefact. S'il s'agissait d'un personnage majeur, un tel effort serait logique. On peut se retrouver à l'autre bout du monde en quelques heures. Mais un artefact qui n'a pas bougé depuis 2000 ans. Il va pas bouger dans la journée, c'est sûr. Un artefact d'intérêt majeur. J'ai déjà entendu ça. C'est toujours un morceau de poterie pourrie ou les pages d'un vieux bouquin. Mon animus tourne à l'ADN, pas à la vaisselle. Ça va me faire drôle de retourner en Égypte pour la première fois depuis 2013. À l'époque, je cherchais mes racines et j'ai trouvé que des emmerdes. Heureusement, Dee sera là. Ça m'évitera de faire de trop grosses conneries. Ok, alors l'artefact en question, est-ce que c'est la fameuse pomme qu'on voit depuis le début du jeu ou est-ce que c'était la momie de Bayek? On verra. En tout cas, l'audio s'est fait. Moi, à vélo sans les roulettes, dans le Queens 1989. Bricolage 1994 et le gros bug qui fait que la photo s'affiche pas. C'est mieux. Ah oui, c'est ça le fameux téléphone dont elle parlait dans l'audio qu'elle a bousillé. Coulisses du concert de Ra Victoria, Madison Square Garden 2000. Donc je suppose que c'est ça son fond d'écran. Ah oui, bah c'est marqué dessus en plus. Il
Je suis pas convaincu qu'on parle du même Milton là. Putain, fait chier ce bug. Résidence Berkeley 2004, c'est à l'époque où elle était à l'université, du coup. Ah, tu m'emmerdes. L'appel de l'aventure by Philadelphie 2011, donc c'est quand elle a quitté l'université pour rentrer chez Abstergo. Le fameux concours de Flipper dont on entendait parler tout à l'heure. Salut, je suis Leila. Demandez-moi ce que vous voulez. Donc ça c'est pareil, c'est lié au... C'est lié au WER là de tout à l'heure. Hein. Le fameux truc question-réponse là. Bon, on passe aux emails. Alors, 2014. Bon, ils sont dans l'ordre chronologique, c'est déjà ça. On n'est pas fait obligé de faire comme dans Quantum Break. Alors, Leila à Sophia en 2014. Vous prenez le problème à l'envers. Bonjour Sophia. Donc, je rappelle que Sophia, c'est le personnage du film qui est joué par Marion Cotillard, qui est donc la fille de Alan Rickin, qui du coup est le directeur d'Abstergo à Madrid, qui était joué par Jeremy Irons. Bonjour Sophia, j'ai passé la nuit à étudier ces schémas, et vous vous pentez tous complètement. Si vous envisagez vraiment un bras robotisé pour l'Animus Aeri, je n'ai qu'un conseil à vous donner, un bidule suspendu à 6 degrés de liberté. Ouais, ou alors mettre cette idée à la poubelle et arrêter de nous faire un Animus avec un putain de bras dans le cul, quoi. Bref, ça c'était gratuit. Il va falloir laisser du champ au sujet, lui offrir une sensation de liberté tout en permettant à la machine de rester connectée, quelles que soient les acrobaties qui effectuera le sujet. Eh bien ce mail, elle est là juste pour justifier leur idée de merde dans le film. Alors, veuillez à ce que les vérins hydrauliques soient les meilleurs du marché, pas moins de 420 bars, vous le saurez à l'oreille. S'ils font le même bruit qu'un futur marié à la fin de son enterrement de vie de garçon, changez-en. Inutile de perdre du temps avec des daubes et ils ne feront que gêner les mouvements de votre sujet. Réponse de Sophia à Leila. Leila, juste pour être certaine d'avoir bien compris, tu proposes que l'on suspende les sujets dans les airs à l'aide d'une gigantesque système mécanique. J'ai relu ton mail au moins 5 fois, je dois dire qu'à la première lecture, j'ai cru que c'était une blague. J'ai néanmoins fait part de cette idée à Gabriel King, notre ingénieur en chef, ici à Madrid, et sa première réaction a été identique à la mienne, jusqu'à ce que son sourire change imperceptiblement. Imaginons que nous décidons d'utiliser un bidule suspendu à 6 degrés de liberté. C'est purement hypothétique, mais allons-y. Est-il envisageable que ce bidule soit compatible avec la connexion péridurale que je t'ai montrée l'autre jour? Est-il possible d'assurer la stabilité de l'aiguille et son positionnement dans la colonne vertébrale du sujet? J'ai l'impression d'être à la limite de la science et du n'importe quoi. C'est dingue, mais au moins c'est stimulant. Sophia. Non, j'ai pas aimé du tout ce film. C'est une grosse daube. Et en plus, je suis en train de lire des mails qui essayent de justifier les choix pourris du film, quoi. Et donc ça me fait vraiment plaisir de me dire que je suis en train de jouer le personnage qui a inventé cette putain d'Animus avec un bras articulé. Enfin bref. De Isabelle Ardan à Leila, le 29 mars 2014. Mesure disciplinaire. Bonjour Leila, compte tenu des événements récents, je me vois contrainte de prendre les mesures disciplinaires appropriées et de demander aux services compétents la mise en place d'un programme d'amélioration des performances. Je sais que vous venez de rentrer, mais je pense qu'il vaut mieux le faire sans tarder avant que les choses ne s'enveniment de nouveau. Nous vous mettons en contact avec un coach qui vous aidera à gérer certains des problèmes en question. Les résultats du programme précédent étaient encourageants, alors il peut être intéressant d'employer de nouveau cette stratégie. Le docteur Lee a même accepté de vous revoir, mais soyez sûr que nous sommes prêts à trouver un autre coach si vous le souhaitez. Vous êtes déterminé et votre travail est apprécié, mais les procédures en vigueur ne sont pas là que pour vous protéger, elles ont aussi pour but de protéger Abstergo. Et si vous vous moquez de votre propre sécurité, vous pourriez au moins faire preuve d'un peu de respect pour l'entreprise qui vous verse votre salaire. Travaillons ensemble dans l'intérêt de tous, Leila. C'est tout ce que nous demandons, Isabelle.
J'ai l'impression que c'est un peu un électron libre, la Layla, hein, et qu'elle a pas sa langue dans sa poche, et que la procédure disciplinaire, là, c'est peut-être parce qu'elle a mis une pêche à quelqu'un, quoi. Elle a besoin de la gestion de... une procédure de gestion de la colère. Donc, un mail de Layla à Dina Gary. Il m'en faut un. Je viens d'aller sur ta boutique en ligne pour la première fois, et je dois que tu caches bien ton jeu, Miss Dina Gary. Qui aurait pensé qu'un officier médical aussi professionnel et dévoué avait un vocabulaire aussi ordurier ? Il va sans dire que j'achète tout un lot de tes travaux d'aiguille. Je vais en garder quelques-uns, mais j'en ai aussi trouvé à offrir. Je crois que tu as bordé le modèle idéal pour Otsoberg. Il passe sa vie à me piquer ma place de parking. De Layla à Giovanni Otsoberg. Monsieur Berg, j'ai l'impression que vous avez pris la mauvaise habitude de vous garer sur la place qui m'est réservée. Je sais que vous êtes plus haut que moi dans la hiérarchie d'Abstergo et que votre voiture est nettement plus présentable que mon coupé de 1987, mais les documents que j'ai reçus des RH indiquent clairement que la place 23FG est attribuée à Layla Hassan. Alors j'apprécierais que vous alliez mettre votre voiture ailleurs. La réponse de Berg, je consentirai peut-être à tenir compte de votre requête le jour où vous mènerez correctement une mission. Si vous le désirez, déposez une réclamation, mais connaissant votre mépris des procédures, je pense que vous n'avez aucune idée de l'endroit où on peut trouver ce formulaire. Et je vais garder votre petit présent brodé, pas pour le message désobligeant, mais parce que le travail au point de croix est d'une qualité remarquable. De Layla à Sophia. Réponse, vous prenez le problème à l'envers. Sophia, il y a quelqu'un ? Eh les mecs, donnez-moi des nouvelles, ça avance ? Vous avez fabriqué un prototype finalement ? Ce n'est pas cool de me demander mon avis et de me laisser ensuite dans le noir. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas me faire venir, même à titre temporaire ? Un genre d'intérim ? Même si l'intitulé officiel du poste est technicienne de surface, je pourrais vraiment vous aider sur place, tu sais. En tout cas... plus qu'avec ces mails de demande de conseils pourris, je reçois... Qu'est-ce que j'ai lu là ? Je pourrais vraiment vous aider sur place, tu sais. En tout cas, plus qu'avec ces mails de demande de conseils pourris que je reçois tous les 36 du mois. Ce n'est vraiment pas gratifiant et ce n'est pas la première fois que je te le dis. Mais je le redis quand même. Alors, soit tu t'en fous, soit tu n'es pas redescendu de ta dernière épiphanie. Pense-y, Sophia, ça commence à devenir vraiment frustrant. Layla à Sophia. J'y crois pas. Sophia, je viens d'apprendre que vous travaillez sur une version portable de la RI. C'est vrai? Un Animus portable? Comment tu as pu me cacher ça? Comment tu as pu me poser par mail des questions apparemment banales, mais me tourner le dos et travailler sur la machine la plus excitante de tous les temps, sans même m'offrir la possibilité de participer à ce projet, alors qu'il n'aurait jamais été lancé sans moi? Tu me prends pour quoi au juste? Une machine à prédire l'avenir? Une petite muse secrète qu'on laisse dans l'ombre? C'est bon pour les poètes du 19e imbibés d'absinthe, et ils ont tous crevé de la syphilis. D'accord, j'arrête avec mes formules nulles, mais je t'ai donné tout ce que je pouvais t'offrir. Mon temps, ma matière grise, ma confiance. Si ça ne te suffit pas pour me prendre dans ton équipe, je ne sais pas ce qu'il te faut. J'y ai pensé aussi, hein. De Layla à Simon Attaway. Monsieur Attaway, j'aimerais vous remercier de vos mots gentils. Je sais que je ne suis pas toujours facile à supporter, mais vous réussissez toujours à trouver les mots qui permettent de désamorcer la situation. J'ai vraiment apprécié notre déjeuner la semaine dernière, et vos conseils m'ont été très précieux. Croyez-moi, ce n'est pas le genre de choses que je dis tous les jours. Cela montre que vous êtes animé d'une vraie passion pour votre travail, et c'est une chose à laquelle je suis sensible. J'ai une petite faveur à vous demander, et je jure que je ne vous ai pas ciré les pompes pour ça, je ne cire les pompes de personne. Je me demandais s'il serait possible de confier à nos EHT davantage de missions de type personnage majeur. Je n'ai rien contre les opérations de terrain, mais un peu de variété serait le bienvenu et, qui sait, ça pourrait bénéficier à mon programme d'amélioration des relations sociales. Je vous laisse y réfléchir. Dina Gary à Layla, le 18 décembre 2016, vacances de Noël. Salut Layla, Alan Rickin est mort.
en assistant à un truc pour lequel il s'est senti obligé de porter une cape noire. C'est pourri, je sais, donc là c'est la fin du film. Et tu t'inquiètes beaucoup pour Sophia, c'est compréhensible, mais il n'y a rien à propos de sa fille dans les journaux ni dans les mémos d'Abstergo. Alors le fait qu'elle ne réponde pas ne veut pas dire qu'elle soit en danger. Prétendre que ton petit projet de bricolage t'aide à te changer les idées, c'est n'importe quoi et tu le sais. Pourquoi tu ne viendrais pas dans la famille pour Noël? On fêterait ce que tu as envie de fêter, y compris la célèbre tradition laïque qui consiste à ne rien fêter du tout si tu en as envie. Ma mère fera de la tarte au potiron, mon père demandera pourquoi on refuse de tirer sur les rongeurs et on prendra un petit déjeuner pas vegan dans un casino douteux avant de passer la journée à faire de la motoneige. J'adore le Dakota du Nord, mais je préférais y être avec Leila Hassan. Accepte, ça nous ferait du bien à toutes les deux. Sa réponse. Heureusement que tu n'as pas choisi le marketing, des rongeurs et un casino douteux, je crois que je vais refuser. Tout ce que je veux en ce moment, c'est bosser sur ma machine complètement ouf. Je viens d'avoir une idée pour le séquenceur et je n'arrive pas à me l'ôter de la tête. Pour l'instant, c'est seulement un croquis sur un set de Tapcrad, alors il va falloir que je m'y mette et j'ai envie de le tester avant ma retraite, si je la prends un jour. Désolé, je fais ma chieuse. C'est une très gentille proposition, dit, et j'apprécie, mais ça va aller, ne t'en fais pas, je m'en sors toujours. Et puis j'ai promis à Ataoué de rendre mes rapports de terrain, je dois en avoir 10 ou 12 de retard, qui ne contiennent pas grand-chose en dehors de nom et de la mention terminée. Il m'a dit que je devais les remettre d'ici la fin de l'année, sinon il présenterait une réclamation, ce qui voudrait dire de nouvelles séances de torture avec le médiateur. Non, je l'aime bien, alors je vais lui arranger le coup et lui envoyer ses rapports avant qu'il se mette à chanter « Ce n'est qu'un au revoir ». En fait, Titi va faire un montage, il va récupérer ma lecture et il va la copier-coller dans son dans ses trucs. Donc la réponse de Dina à Leila, si tu le dis, dis-moi si t'as besoin d'aide pour ces rapports. Si on partait et si on allait chercher de quoi dîner, tu pourrais me montrer comment avance ton petit projet. J'ai peut-être une idée pour l'utilité de dialyse. Pour l'unité de dialyse. Dis, changement de plan. Je sais que tu attends dans ta petite chambre d'hôtel au centre San Francisco et que tu penses que je suis en route pour la jeter, mais ce n'est pas le cas. J'ai une idée et je suis sur le point d'embarquer sur un vol pour Tokyo. Je vais à Onagawa, au Japon. Ne t'en fais pas, je sais ce que je fais. Tiens-toi seulement prête, de ton côté, environ 24 heures, j'aurai besoin de ton assistance à distance. Si la régulation centrale appelle, couvre-moi. Salut Leila, j'ai ce que tu m'as demandé, j'ai réussi à mettre la main sur 4 des produits dont on a parlé. Ça a été plus facile que je ne pensais, tout le monde a un prix, y compris les médecins et les laborantins. Je vais garder l'immunosuppresseur dans son conditionnement scellé pour l'instant, sauf si j'ai une soudaine envie d'être musclé comme une lanceuse de marteau, auquel cas j'avalerai tous tes stéroïdes. Je plaisante bien sûr. Tu es libre vendredi? On pourrait aller au cinéma ou se saouler devant une série scientifico-policière, tu sais, histoire de se moquer de tous leurs trucs bidons. A plus. Fera un panneau sur Stream Deck. Magnéto Serge, envoie la lecture de BG Simoneur. Leila Adina. Salut Di, je te fais un copier-coller de cette superbe portion de mon question-réponse du 7 juillet. Internet, c'est comme l'océan, tu sais. Il y a des poissons vraiment cool, des récifs et des épaves de sous-marins. Mais de temps en temps, on tombe sur des canards en caoutchouc qui ont traversé la moitié du monde pour aller grossir un tas de saloperies dont personne ne sait comment se débarrasser. Ah, salut, je suis Leila Hassan, demandez-moi ce que vous voulez. Salut, je me demandais quel était ton bruit de geek préféré, le son avec lequel tu adores t'endormir.
J'adore les claquements de touches de mon clavier mécanique bleu. Ils sont vraiment super cool. Je crois que j'aurais dormi comme un ange dans une de ces salles où on entassait des dactylos dans les années de 1920. Tous ces bruits de machine à écrire. Quelle est ta chanson préférée et qu'est-ce qu'elle te rappelle? Ah, ça c'est facile. Overtime Food par Ra Victoria. Je la chante chaque fois que je fais une séance de karaoké. Ça me rappelle la fois où je les ai rencontrés en coulisses au Madison Square Garden en 2000. En général, il en faut beaucoup pour me déstabiliser, mais là, j'étais tétanisé. Je le croirais si je vois une photo. Ah, des photos, j'en ai, mais hors de question de les montrer. Écoute, j'aurais déjà fait tous les mails, toutes les images, tous les audios, tous les machins. Il restera ensuite les dossiers. Ils sont peut-être pas si remplis que ça. Hein. De Leila à Dina. Salut Di. Dommage que ce soit pas un message audio. Ça te permettrait d'entendre le joli rugissement de l'Animus portable. Tout a l'air de marcher parfaitement. Le logiciel tourne. Mes signes vitaux s'affichent comme il faut. Et tous les tests effectués sur les échantillons d'ADN sont positifs. J'ai associé des brins étranges. Et sans que je m'explique pourquoi, le séquenceur fournit chaque fois une simulation valide à exécuter. Je n'ai pas osé en essayer une seule. Pas toute seule. Pas sans toi. Et de toute manière, l'Animus n'est pas prêt pour un test en live. J'essaie peut-être de gagner du temps, mais cet échantillon hybride de toi et de Milton est tentant. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Dean à Leila, tu es complètement malade! Il y a tellement de raisons de hurler que je ne sais pas par où commencer. De l'ADN de Milton, vraiment? Leila, qu'est-ce qui t'a pris de t'entraîner là-dedans? Le pauvre, lâche-le! Je veux dire, si tu veux utiliser de l'ADN du sujet 17, pas de problème, il est mort. Mais Milton, mon Milton, tu accèdes à son dossier pour lui arranger un truc et tu en profites pour lui piquer son profil ADN? Je ne te le dirai qu'une fois, pas touche, tu effaces ces données tout de suite! Ah oui, et puis n'entre pas dans ton animus. Tu es un génie, un geek, une championne de l'ingénierie et une déesse de la bidouille, mais tu n'es pas folle. On ne sait pas s'il marche, on ne sait pas ce qu'il fait et on ne sait même pas quel genre de simulation il fait tourner. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Aileen Block, le sujet zéro, l'initiative substitution? Elle a exploré les mémoires génétiques d'autres gens et s'est retrouvée avec le cerveau grillé. Tu ne joues pas avec un Animus Oméga, là, Leila. C'est pour de vrai. Si tu veux entrer là-dedans, il faut qu'on prenne toutes les précautions requises. S'il te plaît, Leila, je n'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose. Entends-moi, d'accord? Attends-moi, d'accord? Salut, Di. Tu peux emporter le conditionnement scellé qui contient les immunosuppresseurs? On ne sait jamais. Je sais que le briefing ne parle que d'un interfaq de valeur, mais au cas où on trouverait autre chose, imagine, ça pourrait être l'occasion d'essayer notre version de l'Animus portable sur le terrain. Je ne parle pas de me synchroniser vraiment avec une simulation. Enfin, peut-être, mais non, c'est vrai, je t'assure. Mais on ne sait jamais. Peut-être que je ferai juste un séquençage si je trouve quelque chose. Si, tu vois, c'est conditionnel. Je vais le répéter encore une fois. Si. Tu te sens mieux? Bon, il est temps de préparer mon sac. Ça marche toujours pour ce soir? C'est moi qui paie. Leila a dit, waouh! J'ai encore la tête qui tourne. Pourtant, je n'ai bu que quelques verres, non? Mais je viens de penser à un truc. Tu sais que l'Animus séquence l'ADN pour faire tourner des simulations basées sur des mémoires génétiques. Mais si. Et c'est peut-être le cinquième old fashion qui parle là. On pouvait trouver le moyen d'en faire autant à partir de matières non organiques. D'accord, on n'aurait pas de codon, mais on aurait quand même des structures moléculaires. Je veux dire, il a fallu des années à Vidic pour craquer les mémoires génétiques, et une fois qu'il les a obtenues, il a retourné ciel et terre pour les décoder. Et si il s'était arrêté trop tôt? Si les isomères grouillaient de mémoire moléculaire? Bon, peut-être que les molécules sont trop grosses, peut-être qu'il faut envisager la possibilité que les informations soient stockées en profondeur au niveau subatomique. Pourquoi les mémoires s'accrocheraient-elles seulement à des molécules organiques? Je veux dire, des trucs bizarres, j'en ai vu, mais je vois rien qui puisse exclure ça. Je préférais que les mails nocturnes parlent d'un mec que je viens de larguer ou d'un voisin pénible. Désolé. Tu dois faire avec moi. Tu en as de la chance.
Bon, les mails, c'est bon. Abstergo Division Recherche Historique. Documentation. What the fuck? What the fuck? Kit de l'Animus. Alors, Abstergo, recherche historique, manuel du nouvel employé. Non, mais c'est tout. Ça va, faut pas s'enflammer. Conclu, c'est son contrat en fait. Conclu entre Layla et Abstergo Industries, l'employé accomplira à profit d'Abstergo Industries des tâches qui pourront amener Abstergo Industries à révéler à l'employé des informations confidentielles et propriétaires. Une information confidentielle est une information de toutes sortes, nature ou description relative à une question relevant de ou affectant les services accomplis par l'employé au profit d'Abstergo Industries, des activités l'employé gardera secret sur des informations confidentielles dont il aurait eu connaissance et verra au plus grand soin des tiers. L'employé ne dévoilera ni ne divulguera de manière directe ou indirecte aucune information confidentielle sans autorité écrit préalable sur demande ou ouais, c'est un contrat en bonne et due forme classique, tu gardes tes secrets. Ouais, je vais avoir la gorge sèche. En même temps, en ce moment, j'ai de l'entraînement sur le blabla à long terme. Abstergo Industries dispose de droits exclusifs à déterminer le traitement de toute information relevant des tâches courantes. Ouais, voilà, tout ce que tu trouves, c'est pour ma gueule et t'as pas le droit d'en parler aux autres. Ça va. Recherche historique, nature de la mission. Je crois que c'était une private joke, ouais. Recherche historique, nature de la mission. La division recherche historique d'Abstergo a pour but de mener des recherches rigoureuses à propos des événements historiques et de documenter méticuleusement ces recherches en mettant particulièrement l'accent sur les enquêtes relatives à des incidents jusque-là méconnus et sur la mise en lumière des personnages historiques qui y sont impliqués. Les recherches menées et colligées par les équipes de la division recherche historique peuvent présenter des avantages majeurs pour diverses disciplines universitaires, dont l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire de l'environnement et la science politique. Comprendre le passé pour améliorer l'avenir. La division recherche historique a pour origine les travaux du docteur Warren Vidic, un pionnier dans le domaine de la science de mémoire génétique. Les travaux de Vidic ont nécessité des données brutes dépassant ce qui était disponible à l'époque. La division recherche historique a été rapidement constituée afin d'aider les recherches d'Abstergo et est rapidement devenue une entité autonome. Docteur Warren Vidic. Le docteur Warren Vidic a été le responsable des premières explorations menées par Abstergo dans le domaine des mémoires génétiques. Sans les recherches étendues et l'approche scientifique rigoureuse de Vidic, Abstergo n'occuperait pas aujourd'hui une telle place. Alvaro Grammatica. Les compétences de Grammatica en ingénierie mécanique, biologique et informatique lui ont permis d'être le premier à reconnaître à quel point l'acquisition des documents historiques riches et précis pouvait bénéficier à Abstergo. Ouais, c'est pas impossible que j'accélère un peu. En même temps, c'est aussi des documents qui sont moins intéressants et qui me demandent moins de réfléchir. Ça reste des... Isabelle Ardan. Ardan rejoint la société en tant qu'archiviste numérique dotée de connaissances approfondies en informatique. Elle a été à l'origine d'une révolution dans le domaine des données qui a transformé l'acquisition, la gestion, l'archivage des mémoires génétiques dans Abstergo. Simon Attaway. Attaway est le directeur actuel de la division recherche historique. Son insatiable soif de connaissances pour tout ce qui relève de l'histoire humaine anime la quête de données historiques et mémorielles vers des frontières inexplorées. Recherche historique, site de Philadelphie, une cité historique. Semblait le lieu idéal pour accueillir le site traitement d'histoire. Situé à quelques minutes à peine du célèbre Flop de la Ware, le bâtiment proprement dit a été conçu en 1985 par l'architecte Jean Nouvel.
alors en pleine ascension. Ce site abrite plusieurs divisions, la division lignée et acquisition jouxte la division médicale d'Astergro, et toutes deux sont étroitement liées aux recherches historiques et au programme d'entraînement de l'Animus très spécifique. Le respecté Juani Otsoberg supervise le site de Philadelphie, très apprécié pour les réunions de directeurs. Naturellement, rien ne saurait éclipser le très important hall de la bibliothèque et des archives où l'ensemble du savoir d'Abstergo, physique comme numérique, serait conservé, protégé par des mesures de sécurité infaillibles. Mais c'est bon, j'ai à boire, vous inquiétez pas pour moi. En plus, ça passe plus facilement quand c'est intéressant. Là, pour le coup, les historiens actuels. Les historiens d'Abstergo sont très différents des historiens universitaires que vous pouvez avoir en tête. Ils maîtrisent les ouvrages manuscrits ou imprimés du passé et sont capables d'extraire la quintessence des volumineuses bases de données que possède Abstergo. Mais leur véritable talent trouve toute sa dimension sur le terrain, lorsqu'ils retracent des histoires oubliées ou négligées. Aidés par des technologies de pointe, nos équipes historiques tactiques, EHT, c'est ça que ça veut dire du coup EHT, sont composés d'un technicien et d'un officier médical. Ensemble, ils rassemblent les connaissances provenant d'artefacts oubliés et de lignées éteintes. Ils mettent au jour des récits que l'on pensait obsolètes et associent la sagesse de l'histoire orale aux découvertes scientifiques de demain. Ces équipes, capables de tout voir et de tout trouver, permettent à Abstergo et à l'ensemble de sa division de repousser les limites des connaissances et des possibilités d'amélioration de l'avenir de chacun d'entre nous. Allez, fin du manuel de l'employé, parce que c'est quand même bien chiant cette partie-là. Recherche historique, la médecine au service de l'histoire. Nos connaissances sur notre nature et notre fonction dans l'univers détermineront les percées scientifiques de demain. Des hommes et des femmes ont examiné les galaxies lointaines et le Challenger Deep à la recherche de réponses ou d'éléments susceptibles d'ouvrir les portes de la prochaine révolution scientifique. Abstergo s'est tourné vers un phénomène nettement plus familier. Peut-être la réponse se trouve-t-elle en chacun de nous. Le génome humain renferme nos plans, mais peut-être cache-t-il également beaucoup plus. Aujourd'hui, nous explorons les mémoires génétiques et nous appliquons déjà les connaissances que nous avons acquises afin d'améliorer nos performances en tant qu'individus, mais aussi en tant que société à l'échelle planétaire. Demain, nous explorons peut-être des mémoires dissimulées dans des structures bien plus obscures que l'ADN humain, et qui sait ce que nous découvrirons. Tel est l'objectif de nos activités médicales. Nous ne cherchons pas à soigner le corps par l'entremise d'un remède direct, mais à exploiter nos connaissances en chimie et en biologie pour modifier la manière dont nous menons nos vies, pour le meilleur. Ah, fin du manuel de l'employé, manuel de terrain. Ok, ça c'est juste la couverture. Procédure d'urgence, gestion et équilibrage de l'initiative sur le terrain. Les procédures standards exigent que les deux membres d'une équipe historique, tactique, rendent compte sans délai de tout changement intervenant dans la mission en cours. Les changements relatifs au déploiement, aux opérations, à la méthodologie, au calendrier, aux personnages majeurs et aux résultats attendus doivent être communiqués à et approuvés par les canaux appropriés, à la fois via le régulateur central et mémoire interne. Toute action non autorisée ne doit être entreprise qu'en cas de danger imminent ou de menace définitive et permanente envers une opération entraînant la perte de données cruciales dépassant les moyens de récupération historique dont nous disposons. Équipement standard, systématiquement sur le terrain, Animus portable, deux ordinateurs portables conformes à la configuration minimale requise, groupe électrogène régulé portable, 4 bidons d'essence de 5 gallons 20 litres, une glacière thermoélectrique avec ration, facultative pour la plupart des lieux en ville, à la discrétion de l'intendant. Un SUV avec capacité de remorquage de 3,1 tonnes, ou équivalent quand on a disponibilité du véhicule de la flotte d'Abstergo en déploiement sans accès à la flotte. Un ensemble pharmaceutique standard comprenant ensemble chimique certifié avec notamment anticoagulants et immunosuppresseurs, seringues auto-injectables, cathéters, sondes et défibrillateurs portables.
Ouais, s'il commence à avoir plusieurs pages, ça va pas le faire. FAQ relative à l'Animus portable, utilisation et assistance. Comment peut-on régler les paramètres de l'Animus portable? Il ne faut pas. Cet équipement ne doit en aucune circonstance être modifié. Le technicien ne doit se connecter à l'instrument qu'en utilisant la procédure approuvée. Ses signes vitaux seront suivis par l'officier médical sur place ou à distance. Selon les informations relevées, l'officier médical pourra suggérer des corrections et ou utiliser au mieux l'équipement médical contenu dans l'ensemble pharmaceutique standard afin de veiller à la santé et à la sécurité de l'utilisateur de l'Animus. Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut d'alimentation électrique? Lorsque l'Animus portable ne peut être relié à une alimentation secteur standard, le groupe électrogène fourni dans l'équipement du technicien assure une autonomie de 5 jours avec la quantité de carburant standard. Si à un moment quelconque un défaut ou une panne d'alimentation est observé pendant l'utilisation de l'Animus, l'officier médical doit en aviser le technicien et mettre fin aux activités utilisant l'Animus jusqu'à rétablissement d'une alimentation électrique fiable. L'Animus est doté d'un système de sécurité évitant tout dommage physique à son utilisateur. Non, c'est sûr que c'est pas la plus... Mais bon, de toute façon, je serais allé la lire, donc... Merci pour les encouragements. Mais de toute façon, je les aurais lus, et le but, là, c'était pas vraiment de faire un live comme tu le fais, toi, Iti. Moi, je le fais comme si je jouais tout seul, en fait, sauf que je joue pas tout seul. En l'occurrence. Mais bon, il faut aussi passer par les phases chiantes. Et je préfère faire ça que me taper des phases de menu RPG, quoi. FAQ relative à l'Animus portable, utilisation et assistance. Comment active-t-on l'Animus portable? Assurez-vous que l'appareil est relié à une source d'alimentation avant de tenter de le rallumer. L'Animus est mis en service à l'aide du commutateur on-off, marche arrêt. Pour des raisons de sécurité, le système d'exploitation doit fonctionner au minimum 60 minutes avant que le technicien n'initie la procédure de séquençage de mémoire génétique. Ceci permet la régulation du thermogel de l'appareil et fournit à l'officier médical la possibilité d'exécuter la procédure d'activation standard et d'assurer la stabilité des relevés élémentaires. Le technicien ne doit jamais initier le séquençage de mémoire génétique avant d'avoir obtenu l'aval de l'officier médical. Quelle est la procédure de gestion des dysfonctionnements de l'Animus? En cas de dysfonctionnement, l'officier médical déclenche le protocole d'éjection qui met fin à la simulation de la manière la moins traumatisante possible pour l'utilisateur de l'Animus. Après avoir quitté la simulation, le technicien transfère les données les plus récentes sur un disque autonome sécurisé avant d'éteindre l'Animus. Les équipes ne doivent pas chercher à diagnostiquer le dysfonctionnement de l'Animus ni à réparer une composante quelconque de l'appareil. Si un dysfonctionnement met en péril l'exécution d'une mission, le technicien doit en informer immédiatement la régulation centrale et envoyer un compte-rendu à son responsable qui pourra recommander d'abandonner la mission. Conformément au protocole standard de mission, le débriefing aura lieu sur le site de rattachement de l'équipe. L'appareil défectueux sera renvoyé à l'équipe du projet Animus pour évaluation. Ouais. Enfin, t'as l'impression qu'ils te prennent pour des cons quand même, hein, parce que si tu travailles chez Abstergo sur un projet Animus et que tu sais pas ce que veut dire on-off, je pense que tu t'es trompé de métier. Hein. Voilà, on est sur mon canap, ouais. C'est l'idée. Transfert des droits, abandon juridique des droits de propriété intellectuelle sur le terrain. Réservation des droits. Abstergo Industries possède ou est considéré comme détenteur de l'ensemble des droits relatifs à la propriété intellectuelle et aux données susceptibles de provenir des activités d'un membre quelconque d'une EHT, pendant et en dehors des heures de travail. Définition. L'expression propriété intellectuelle englobe les brevets, demandes de brevets, inventions, activités sur Internet, découvertes archéologiques et historiques, explorations et mémoire génétique et aptitudes acquises du fait de l'effet de transfert de l'Animus. Mais comment ils peuvent te demander, comment ils peuvent te réclamer une propriété intellectuelle sur les aptitudes acquises par effet de transfert. Enfin, ça veut rien dire en fait. C'est comme s'il il disait avoir une propriété sur ton corps du coup. Cette expression englobe également, de manière générale, les informations médicales, séquençage d'ADN, données, bases de données, enregistrements, inscriptions et procédures ou techniques découvertes lors de l'utilisation de l'Animus. Toute divulgation non autorisée de tout ou partie des éléments mentionnés plus haut est strictement interdite et peut entraîner la fin du contrat de l'employé. Rôle et responsabilité.
qui fait quoi sur le terrain. Les équipes de la division recherche historique sont composées de deux agents d'Abstergo. L'efficacité de chaque équipe repose sur l'excellence des compétences de chacun et sur l'intégration de ces compétences afin de former un ensemble fonctionnel. Officier médical, donc c'est celle qui nous parle à la radio, je pense, l'officier médical. Nous, on est considéré comme le technicien, à mon avis. Conduite de l'analyse génétique, chimique, composite, géologique des artefacts personnages majeurs. Santé et sécurité de deux membres de l'équipe. Évaluation des activités du personnel susceptible de mettre en péril le succès de l'opération en cours. Soutien chimique ou pharmaceutique de l'artefact personnage majeur selon les besoins. Suivi des relevés du technicien dans l'animus et assistance appropriée. Technicien, supervision de la recherche et de l'extraction de l'artefact personnage majeur. Accès à l'animus selon les besoins. Soutien technique requis pour l'opération. Point de contact principal de la régulation centrale. Préparation des comptes rendus opérationnels. Kit de l'animus. What the fuck, on n'en verra jamais le bout. Ok, c'est la couverture. L'ADN ne se limite pas à une pure information génétique. Je pense que tout ça, honnêtement, c'est pour les gens qui n'ont pas joué Assassin's Creed et qui l'attaqueraient par Origin, en fait. Il t'explique ce qu'est l'Animus, il t'explique ce que sont les équipes chez Abstergo, il t'explique le passé d'Abstergo, il t'explique aussi comment fonctionne l'Animus. Tout ça, c'est pour les gens qui attaqueraient aujourd'hui les jeunes générations qui n'auraient pas envie de se retaper les 11 jeux qui sont avant. Hein. L'ADN ne se limite pas à de pures informations génétiques, il contient aussi des étaoctets de données factuelles et historiques que nous appelons désormais mémoire génétique. L'objectif initial du projet Animus était d'explorer ces mémoires génétiques par le biais de la réalité virtuelle. Des percées technologiques ont permis aux utilisateurs d'Abstergo de s'interfacer réellement à l'histoire et d'explorer ce que l'on croyait perdu à jamais. Le logiciel de l'Animus est adaptatif, ce qui signifie que lorsque les mémoires se développent, le programme s'adapte de manière subtile afin d'offrir un rendu personnalisé dans les limites du cadre de l'expérience. L'expérience se révèle dans la conscience de l'utilisateur, elle déverrouille des réflexes et des compétences que le corps recelait sans le savoir. L'Animus est une fenêtre sur le passé, une porte vers l'avenir. Joignez-vous à nous pour l'historique de ce voyage. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin de faire l'effort, c'est moi qui lis là. Vous avez juste à écouter ma magnifique voix, qui n'est pas aussi belle que la tienne, Iti, mais je fais ce que je peux, avec ce que j'ai. Là où tout a commencé, c'est à Philadelphie en 1795 que Philip Singh Physics a effectué la première transfusion sanguine de l'histoire de la médecine. L'idée de transférer le sang d'un corps à un autre fascinait ce chirurgien distingué, mais ce qu'il a découvert a dépassé de loin ses attentes. Craignant que la communauté scientifique ne soit pas prête à accepter de telles révélations, il a remis son article manuscrit à son collègue et ami Benjamin Rush. Les découvertes de Physics ont sombré dans l'oubli jusqu'à ce que Pauling, financé par la fondation Rockefeller, entame des recherches sur des archives privées de la Library Company of Philadelphia et trouve l'article de Physics conservé en secret par Rush. Les travaux de Pauling sur la structure de l'hémoglobine, qui reprenait en partie le document perdu de Physics, ont débouché sur des découvertes de la triple et de la double hélice. Le docteur Clinton B. Rosberg a été engagé par Abstergo afin de suivre de près les travaux du docteur Pauling sur la structure de l'ADN. Il a rendu compte de ses découvertes au directeur d'Abstergo Chemicals en personne. Les relations entre eux se sont envenimées, mais les informations recueillies ont été cruciales pour le projet Animus de Warren Vidic. 14 août 1952. Monsieur le directeur, comme convenu, je vous tiens au courant des dernières découvertes du docteur Pauling. Veuillez trouver 6 juin un article destiné à PNAS qui propose un modèle structurel de l'acide désoxyribonucléique. Je vous fais grâce des détails, mais vous trouverez son modèle à triple hélice composé de 3 brins d'ADN entrelacés très élégants. Il est digne de ses travaux antérieurs sur la structure des protéines. Je pense qu'Abstergo Chemicals devrait
accordé une attention toute particulière à l'évolution des sciences de l'ADN, car elles révéleront certainement les secrets de la vie. Veuillez noter que je serai tout à fait disposé à jouer un rôle plus direct dans le soutien des recherches du Dr Pauling, si vous le souhaitez. Dans l'attente de votre réponse, je tenais à vous remercier de m'avoir confié cette tâche relevant de la Fondation. C'est un honneur pour moi de contribuer aux travaux de scientifiques aussi éminents. Cordialement, Clinton B. Rothenberg. 18 décembre 84, monsieur le directeur, j'ignore si vous travaillez toujours chez Abstergo. Parfois, lorsque je cherche à me remémorer le passé, j'avoue me demander si vous avez jamais existé. Je suis Silas. Je crois que mon séjour sur cette terre touche à sa fin. Nous séquençons désormais des génomes complets en quelques semaines. Nous subissons des pressions phénoménales afin de réduire encore les délais pour envoyer le tout à ce Vidic. À ce stade, nous ne sommes plus qu'une bête chaîne d'assemblage. Quel gâchis! Je ne suis pas idiot, vous savez, et même un vieillard comme moi est capable de se rendre compte que nos maîtres sont à la recherche d'une chose d'une importance cruciale dissimulée dans le génome humain. Ils ne regardent pas à la dépense afin de fournir à mes jeunes les technologies les plus avancées dans le but d'augmenter la productivité. Comme tous ceux qui sont ici, j'ai entendu des rumeurs les plus ridicules à propos du projet Animus de Vidic, notamment le fait que les souvenirs des ancêtres d'un individu seraient encodés dans ses gènes. Si Abstergo y croit, cela expliquerait les millions de dollars que l'on continue à dépenser ici. Mais ça n'a aucun sens. Et pour couronner le tout, je n'ai jamais trouvé d'autres échantillons d'ADN à triple hélice. L'obsession de ma vie n'aura été qu'une illusion. Adieu mon ami, Clinton B. Rothenberg. Alors oui, la triple hélice, c'est l'ADN de la première civilisation. C'est pour ça que là, par exemple, dans ce courrier, il dit que jusque-là, ils n'ont jamais retrouvé d'ADN à triple hélice parce qu'ils avaient dû tomber sur un échantillon d'ADN d'une personne de la First Civ, donc la première civilisation. Et en l'occurrence, ils ne sont jamais retombés dessus parce qu'effectivement, c'est hyper rare. C'est tout ce que tu as vu dans la vidéo qui expliquait qu'ils cherchaient justement à séquencer cet ADN à triple hélice pour recréer en laboratoire un être de la First Civilization, en fait. Et probablement que s'ils sont tombés sur une branche d'ADN à triple hélice, c'est qu'ils ont trouvé l'ADN d'un des sages. Les concepts initiaux sur lesquels a reposé le prototype d'Animus ont émané d'Abstergo Chemicals et sont apparus en 1960 sous la forme du Memorial S2000. Les résultats ont été très maigres et le prototype a à peine dépassé le stade de la planche à dessin, mais des accords ont été conclus avec l'US Army afin de tester une version du Memorial dans le cadre du projet MK Ultra. Mais tout ça, c'est pas seulement pour les gens qui n'ont jamais joué à Assassin's Creed. En fait, là, on est du côté de Abstergo. On a appris très peu de choses sur Abstergo et son histoire. Donc là, on est en train d'apprendre tout comment ça a avancé. Ah, déverrouiller les secrets de notre passé, une réalisation d'Abstergo Industries, le Memorium S2000, qui doit être le premier prototype de ce qui est devenu ensuite l'Animus. C'est en 1980 que Warren Vidic a enfin pu considérer qu'il avait atteint son objectif. Les premiers utilisateurs furent lancés. Pardon. Les premiers utilisateurs furent lancés dans une série d'explorations de mémoire génétique avec des résultats variables. À San Francisco, l'initiative Substitution a permis au sujet 0, Aline Bock, d'explorer des mémoires hors de la lignée du sujet. Mais ceci s'est révélé aussi dangereux que coûteux. Donc voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. En fait, quand tu rentres dans l'Animus, c'est pour ça qu'ensuite, on a cherché des sujets qui avaient des ancêtres assassins ou templiers, parce que si tu essayes d'explorer de l'ADN qui n'est pas le tien, ton cerveau, il part en fouf de gnou. Le projet Animus s'est concentré sur l'exploration par les utilisateurs de leur propre mémoire génétique. Bien que douloureuse, la procédure était plus sûre et s'est montrée très prometteuse. L'équipe de Vidic, aussi d'Abstergo de Philadelphie, est parvenue à le démontrer en 1983 à l'aide du dernier Animus en date, la version 1.09, et des mémoires génétiques du sujet 4. Le calcul permet de lire dans les pensées Abstergo Industries Animus MS3000. Donc là, on a les plans.
classifié, voire annexe, pour mesure toujours compartimentée, les informations cruciales. Animus 1.45S. Plus stable que ses prédécesseurs et offrant une meilleure contrôle de l'effet de transfert. Donc je rappelle que l'effet de transfert, c'est le phénomène qui fait que quand tu passes trop de temps dans l'animus, dans le cerveau de ton ancêtre, ton cerveau n'arrive plus à faire la différenciation entre ta personnalité et celle de ton ancêtre, ce qui peut avoir des effets bénéfiques, comme dans le cas de Desmond dans les premiers jeux, puisqu'à force d'avoir passé du temps dans la peau de Altaïr, puis de Ezio, il a appris des techniques de combat de... Enfin, l'effet de transfert a fait qu'il s'est mis à maîtriser des techniques de combat d'Altaïr et d'Ezio sans avoir eu besoin de les apprendre. Mais par contre, ça a un effet négatif, c'est que quand tu passes trop de temps, ton cerveau n'arrive plus à faire la différenciation entre toi et ton ancêtre. Et tu finis par perdre la tête. Ce qui est arrivé au sujet 16. Sachant que Desmond était le sujet 17. Plus stable que ses prédécesseurs et prend un meilleur contrôle de l'effet de transfert, désormais bien documenté, l'Animus 1.28 a été développé par le site Abstergo de Philadelphie en 2002. Si le modèle a évolué au cours des 10 dernières années, la technologie est demeurée relativement inchangée. Il est vrai que rares furent les sujets à expérimenter intégralement les simulations et ceux qui le firent ne purent visiter que leur propre mémoire génétique. Les travaux effectués par le sujet 4 à 17, donc 17 étant Desmond, et plus tard par les participants au programme d'entraînement de l'Animus ont été cruciaux pour le développement de la technologie de l'Animus et pour l'ensemble des activités d'Abstergo Industries. Sachant que les participants au programme d'entraînement de l'Animus, c'est en quelque sorte nous, à partir de Assassin's Creed Black Flag. Puisqu'on joue le propre rôle de quelqu'un qui travaille chez Abstergo dans les bureaux. Un guide de l'Animus 7, un Animus pour tous, exploitant les progrès réalisés par les équipes du projet Animus à Philadelphie, Rome et Madrid, Abstergo Entertainment a introduit un système révolutionnaire baptisé Animus Omega, une console de jeu offrant à chacun, n'importe où, un accès inédit à une variété de mémoire génétique préenregistrée. Là aussi, pour la petite histoire, cet Animus Omega avait un seul but, c'est que pendant que tu étais en train de jouer à ta console de jeu, Abstergo récupérait en même temps les données de ton ADN, ce qui permettait de savoir si tu étais un sujet intéressant pour eux, pour aller chercher certaines mémoires génétiques. Et deuxième truc, c'est que tu avais l'impression de jouer une période historique dans la peau d'un personnage historique, sauf que Abstergo avait tendance à modifier un tout petit peu le passé pour faire des Templiers des gentils et des Assassins les méchants. Helix a ensuite introduit une expérience similaire par l'intermédiaire d'un service dans le cloud, ce qui a éliminé l'obligation d'utiliser une console. Naturellement, les simulations proposées au grand public ne représentent qu'une fraction de ce que l'on peut examiner à l'aide d'un authentique système Animus et n'offrent que des interactions limitées. Mais la popularité de la technologie ne cesse de croître et l'intérêt se renforce dans le monde entier. En se basant sur les travaux réalisés en réalité virtuelle, les équipes du projet Animus ont compris qu'il était possible de maximiser le rendement de l'Animus et même de maîtriser l'effet de transfert, en associant immersion et caractère physique. Donc voilà cette fameuse tentacule dégueulasse. Appréciez cette magnifique photo de la cochonnerie qu'ils ont créée dans le film. Les biotechnologies ont joué un rôle crucial dans la création du système péridural utilisé par l'Animus Aeri. La nature viscérale de l'expérience a porté les niveaux de synchronisation vers de nouveaux sommets permettant l'exploration d'un éventail inédit de mémoire génétique. Au lieu de chercher à contenir l'effet de transfert, l'Aeri lui laisse libre cours et exploite son potentiel pour estomper la ligne séparant la réalité de l'utilisateur et la simulation où il est plongé. L'Aeri ne peut être utilisé que dans un environnement contrôlé et médicalisé. Voilà, donc en fait, ils expliquent que le nouvel Animus, donc cette tentacule à la con, hein, fait que tu peux accéder à plus de mémoire de façon plus intense, mais que ça aussi maximise l'effet de transfert, donc forcément le risque. Alors je veux bien que ça maximise le risque de l'effet de transfert, sauf que t'es pas censé avoir un effet de transfert, même avec ce truc-là, au bout de 2 minutes, et c'est ce qui se passe dans le film. «
L'Animus Portable HR8 est la dernière innovation en date d'Abstergo. Il concentre la puissance de l'ARI dans une valise compacte, ce qui permet à des professionnels de l'utiliser sur le terrain. Auparavant, les opérations exigeaient des extractions délicates ou empêchaient d'accéder à certaines mémoires génétiques. Avec un soutien médical minimal, les techniciens peuvent désormais utiliser ce système pour leur propre exploration ou pour des explorations effectuées sur un personnage de valeur sur site. Pour des raisons de sécurité, la connexion péridurale a été remplacée par une lésion hématologique. Celle-ci séquence les informations stockées dans les globules rouges de l'utilisateur. Comme pour toute intervention intraveineuse, les résultats sont rapides, intenses et mêlés aux fonctions biologiques de l'utilisateur. Comme dans le cas de l'ARI, la simulation n'est pas transmise au cerveau de l'utilisateur, mais rendue physiquement par l'intermédiaire des organes de l'utilisateur et interprétée par le cerveau comme réel. Donc voilà le nouvel Animus qui remplace la tentacule à la con. Et finalement, voilà, on a fait, pour le film, on a fait une super tentacule. Et puis, on rechange pour nous remettre un truc qui finalement ressemble à une table. Hein. Voilà, voilà. C'est juste une grosse valise que tu déplies en deux et tu t'allonges dessus. Il n'y a plus personne. Vous m'avez abandonné. Ah, voilà, non, Saïti est toujours là. C'est vrai que ça ressemble un peu à un cercueil, ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent que apparemment ça te lie de façon biologique à ce qui se passe, donc tu pourrais te dire qu'en fait, si tu meurs dans la simulation, il y a des chances que ton corps croit que tu meurs aussi en vrai. Un briefing de terrain. Alayla Hassan et Dina Guerry, donc notre équipe là apparemment. Niveau d'habilitation 3 et plus, artefact majeur, nouvelle mission, date d'effet le 20 octobre 2017, équipe historique tactique Leila Hassan et Dina Guerry. Départ prévu le 22 octobre 2017, 18h05, présentez-vous à la porte B. De Philadelphie à HBE, survol fuse 1011 via LHR. Bah là, la partie est plus intéressante, donc, enfin pour moi en tout cas, elle est plus intéressante. Peut-être que pour vous, c'est pas intéressant du tout, mais moi en tout cas, ça m'intéresse. Mission localisée, récupérer artefact majeur dans dépression de Katara. Lieu prévu aux coordonnées expédiées, grotte, caverne. Anfractuosité géologique inconnue. L'équipe interviendra séparément avec le technicien sur place et l'officier médical sur lieu de logement distinct. En cas de découverte, l'artefact majeur sera rapidement récupéré et rapporté à HBE Alexandrie. Contactez John Kane à Londres pour documents et modalités de transport. Un véhicule de location intégralement approvisionné sera à disposition au hangar 3C à l'arrivée à HBE. Présentez vouchers et pièces d'identité en cours de validité pour remise. Les informations relatives au logement seront intégrées au GPS du véhicule. Conception de l'Animus, on n'a rien. Note sur Bayek. Ça a marché. D'accord, les effets secondaires sont pénibles, mais mon Animus Portal fonctionne. Tu vois ce que j'ai réussi à faire, Sophia? Bon, je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas, là-dedans, mais ça a duré un moment. Mais je crois que ce... C'est quoi son titre déjà? Medjay, une sorte de flic ou de shérif. Enfin, notre perso, regardez ça et trouvez une bonne définition, description. Bayek pourrait être un manque de cette confrérie d'assassins, comme les autres sujets étudiés par Abstergo. Liste des trucs découverts jusqu'ici. Ce mec est à peu près aussi têtu que moi. Il est doué pour parler aux gens et pour se battre. Les gens le voient comme un protecteur et un défenseur. La population de son bled l'admire et le respecte. C'est un champion de la discrétion quand il le faut. Bah, ça dépend, quand c'est moi qui tiens la manette, je suis pas sûr. Ouais, je crois qu'il correspond assez largement au profil, mais il a un esprit assez tourmenté et il a plus l'air animé par la vengeance que par autre chose. Il est dans son truc, sur la voie qu'il s'est imposée. On se ressemble pas mal en fait, et j'ai l'impression que ça ne date pas d'hier. C'est bizarre, hein, ces sentiments, toute cette colère, cette tristesse et cette haine, et toute cette culpabilité. Il faut que je me débrouille pour trouver d'autres informations. Aya, je me souviens de ce nom. Je me souviens des papillons dans l'estomac de Bayek quand il l'a entendu. C'est peut-être elle, la réponse. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Je sens que Dee va être ravie. C'est ça, E.T. C'est exactement ça. Quand c'est pas moi qui tiens la manette. La vérité empirique. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Et on va aller dans les fichiers disparus, du coup.
C'est bizarre, ce visage me... Ça me fait penser à la chanteuse là qui a joué dans un film aussi. Hein. Où elle était une fille dans une famille de sourds. Là. On en dirait la même tête. Enfin bref. Trêve de divagation, on dirait ici. Les fichiers disparus. Alors quoi, Abstergo? Durant toutes ces années, j'ai eu droit à mon lot de conneries de la part d'Abstergo. Promesses jamais tenues, coup de couteau dans le dos, procédure RH douteuse, faux semblant, on trouve ça dans toutes les multinationales. Mais des gens, tous de haut niveau, qui s'en vont, disparaissent ou meurent dans des circonstances mystérieuses, on croirait un scénario de film complotiste. Parfois, on n'a plus la moindre nouvelle d'un grand chef, comme si la personne en question n'avait jamais existé. D'autres fois, on a droit à une excuse bidon qui pue le pipotage. Quand je pense aux gens qui sont partis, et surtout quand je pense à la manière dont Abstergo a géré leur départ, je me dis que quelque chose ne colle pas. J'en ai connu quelques-uns, et ce n'était pas le genre à accepter un boulot chez quelqu'un d'autre pour une augmentation. Je sens que quelque chose m'échappe, mais quoi? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à ces gens? Est-ce que leur disparition a plus d'importance que ce que la direction veut bien nous faire croire? Abstergo, si je pouvais t'ouvrir avec un tournevis cruciforme pour voir ce que tu caches derrière cette façade étincelante. J'ai essayé de me renseigner auprès de Leila Englund une fois, en faisant une vague référence au sujet 17, et elle m'a répondu sagement de me mêler de ce qui me regardait. Exactement le genre de truc qu'il ne faut pas me dire. Il n'y a qu'à demander à mon père. Alan Rickin, encore une fois, le personnage qui est joué par Jeremy Irons, directeur de Abstergo à Madrid, qui est mort à la fin du film, du coup. Rapport d'autopsie des services du coroner. Le coroner n'a pas eu le temps d'examiner avec soin le corps de Rickin. Ouais, on se rapproche de la fin, tranquillement. Le coroner n'a pas eu le temps d'examiner avec soin le corps de Rickin. Abstergo a dû réussir à le récupérer. Mais pourquoi une telle précipitation? Y avait-il quelque chose que le coroner ne devait pas découvrir? Abstergo a organisé les funérailles grandioses, mais ça aurait pu attendre quelques jours. Il ne risquait pas de s'évaporer. J'ai examiné les dossiers de Fish Case et il y a quelques rapports post-mortem enterrés, mais rien sur Rickin. Rapport de West London Service du coroner à propos du décès d'Alan Rickin. Rapport préliminaire établi par Dipti Sullivan, page 2 sur 4. Date de rapport, 15-12-2016. Date du décès, 14-12-2016. Heure du décès, 21-29. Bon, c'est assez marrant parce que la date du décès, c'est la date de sortie de... Enfin, c'est le jour de la date de sortie du film, en fait. Lieu du décès, Holborn Hall, Londres. Intérieur, pas de lieu précis, nous n'avons pas été autorisés à entrer. Marque et blessure, dégâts par lame à la trachée, incision horizontale du cou, la victime a subi un coup à la tête post-mortem du côté droit, peut-être dû à la chute du corps sur le sol. La main droite présente des motifs de brûlure légèrement antémortem d'origine inconnue. C'est le soir où Alan Rickin est mort. Je ne connais personne qui soit allé à cette assemblée et de toute manière, je n'y aurais pas mis les pieds. Trop de dorure à mon goût. Mais en l'honneur de qui a-t-elle été organisée et que s'est-il passé ce soir-là? Nous comptons sur votre présence. Discours de Alan Rickin à l'Assemblée, Grand Hall des Templiers, Londres, 14 décembre 2016, 21h. J'ai fait 2 heures de doc, je m'en suis pas rendu compte. Mais j'espère que c'était pas trop désagréable pour vous, en tout cas. Hein. Je suis désolé si c'est le cas. J'ai essayé de lire au mieux et de faire vivre la lecture au mieux. Alan Rickin, The Channel, rapport sur la mort d'Alan Rickin. Les médias ont déclaré que la mort de Rickin était due à une fuite de gaz. Si j'ai réussi à corroborer l'intervention des services d'urgence et des pompiers, les informations que j'ai trouvées sur les réseaux de gaz font état d'une pression stable ce soir-là. Il y a un loup. C'est quoi tous ces malencontreux incidents qui frappent les grands chefs d'Abstergo? The Channel, information londonienne, le West End bouclé en raison d'une fuite de gaz. Les services d'urgence n'ont pas encore achevé d'évacuer des centaines de personnes après le signalement d'une importante fuite de gaz à Holborn ce soir. L'incident est survenu vers 21h. Un cordon de 35 mètres a été mis en place. On signale au moins une victime, un homme du nom d'Alan Rickin.
Sophia, je viens d'apprendre pour ton père. Dis-moi que tu vas bien. Tu devrais être là-bas, toi aussi. On n'a pas terminé d'évacuer le secteur et franchement, cette affaire de fuite de gaz me paraît être le pire pipotage que j'ai entendu de toute ma vie. Je sais que tu m'as demandé d'arrêter de t'envoyer des mails, mais ce soir, j'ai vraiment besoin de savoir si tu vas bien, d'accord, Leila. Merci. Isabelle Ardan, mémo de remplacement d'Abstergo. Abstergo aura mis une année entière pour remplacer Isabelle. Alvaro Grammatica a supervisé les activités ici pendant ce temps. Simon Attaway était un choix étrange. J'ai toujours pensé que Rikin et Grammatica n'appréciaient pas vraiment son travail. Mais il doit être bon à quelque chose. Après tout, il est toujours là et en vie. Pour l'instant... Mes amis, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer aujourd'hui la nomination de M. Simon Attaway à la tête de la division recherche historique d'Abstergo Industries. Il sera assisté de Mme Victoria Bibou. S'il s'est écoulé presque un an depuis la survenue du malencontreux insurgent qui a frappé Miss Ardan, nous sommes persuadés que cette longue recherche nous aura permis de trouver le candidat idéal pour piloter l'avenir de cette division. Monsieur Attaway m'a présenté des hypothèses innovantes susceptibles de bouleverser la direction prise par la division. Je vous demande de lui apporter toute l'aide possible afin que sa division rencontre le succès pour le bien de tous. Envoyé par Alan Rikin, directeur général. Isabelle Ardan a trouvé quelque chose et Grammatica a fait tout son possible pour que cet email soit détruit. Il y a eu 80 000 ans... Des formes architecturales et des humanoïdes bizarres, de quoi pouvait-elle bien parler? Et où peut-être cet échantillon Standish aujourd'hui? Alvaro, j'espère que vous êtes assis. Ah ouais, il manque des trucs en fait. Ah, il y a des trucs qui ont été grillés, d'accord. À extrait de l'échantillon Standish, ouais, c'est des noms qui ont été supprimés. À extrait de l'échantillon Standish la semaine dernière. L'assemblée de la vidéo que nous avons enregistrée ne fait que 2,7 secondes à 60 fps à partir d'un sur 14 mémoire indistincte. Mais ce seul extrait me met sans dessus dessous. J'ai choisi une image de la vidéo pour vous montrer à quel point les données sont difficiles à exploiter, mais malgré le manque de qualité, on aperçoit des détails étonnants. Remarquez ce qui ressemble, blablabla, mesurant bien 50 cm de plus que les hominidés voisins. L'architecture ressemble à un mélange de sumérien, d'égyptien et de babylonien, mais les métaux utilisés sont des alliages, blablabla. On discerne ailleurs des formes architecturales plus étranges. Celles-ci n'ont aucun précédent plus récent dans le monde, mais le géomarquage de leur mémoire nous donne un emplacement au sud-ouest des blablabla. Malheureusement, la plupart des géomarquages de ces images nous laissent perplexes. Certains indiquent un lieu actuellement situé en Jordanie, mais il y a environ 80 000 ans. D'autres fournissent des coordonnées en blablabla et en Éthiopie. Mais nous n'avons jusqu'à présent pas réussi à accroître la précision. Archive dont Crawler n'a pas réussi à restaurer l'intégralité des données. Ouais, on peut faire 10 minutes de gameplay après, on va se faire une petite mission. Hein. Isabelle Ardan, The Channel, rapport sur la mort d'Ardan. Je connais suffisamment Abstergo pour savoir que ça n'a pas été fait par bonté d'âme. La restauration a fourni aux recherches historiques un accès sans précédent à Buckingham Palace. Mais qu'est-ce qu'Ardan faisait là-bas? Qu'est-ce qu'elle cherchait? On nous a jamais dit ce qui lui était réellement arrivé, et soyons francs, la version officielle ne tient pas debout. Qu'a-t-elle trouvé de si délicat pour qu'elle n'ait pas pu envoyer une équipe dans les conditions normales? Article de The Channel, information londonienne. Une érudite de premier plan électrocutée au Buckingham Palace. L'historienne de renom Isabelle Ardan a connu une mort prématurée alors qu'elle menait des travaux de restauration dans l'une des salles récemment réouvertes du Buckingham Palace. Apparemment, c'est le câblage datant de l'électrification initiale du palais dans les années 1880 qui serait à l'origine de l'incident. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Un bon nombre des 775 pièces du palais a été fermé pour des raisons de sécurité, et la division recherche historique d'Abstergo a récemment proposé à la couronne d'organiser et de superviser la... On n'a pas la suite. Olivier Garneau. Olivier Garneau était en pleine forme à Chicago en 2014, alors que sa disparition avait été signalée en 2013. Si l'on en croit les informations relatives à ses dépens, il y a dîné seul en mai 2014. Qui peut bien demander un supplément de sauce forestière? Supplément maillot. Ouais, bon, on s'en fout un peu. Bon, d'accord, il est difficile d'affirmer ce qui se passe dans cette scène. D'après les images... Putain, c'est le mec de Watch Dog. Sérieux, c'est le mec de Watch Dog. Enfin, pour peu que vous ayez joué... Enfin, non, bah, et là, non, je suppose, mais... E.T., t'as joué à Watch Dog ou pas? C'est... On est d'accord, ça ressemble au mec de Watch Dog. Ils ont lié leurs univers, quoi. Enfin bref. Bon, d'accord. Il est difficile d'affirmer ce qui se passe sur cette scène. D'après les images de vidéosurveillance, les plaques correspondent à celles de la voiture de Log d'Olivier Garneau. Et ce mec lui ressemble. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas son meilleur profil. Naturellement, tout ça est hypothétique, puisque selon la version officielle, il n'est jamais arrivé à Chicago. Mais je sais que c'est faux. Bon, passons à celui qu'on attend depuis le début, hein. Ah, Desmond Miles. Desmond Miles, rapport médical préliminaire d'Abstergo. J'ai trouvé le rapport médical initial relatif au sujet 17 après sa récupération par une équipe à New York City et son expédition par avion au campus Abstergo de Rome. Il était en bonne forme et avalisé pour l'Animus en septembre 2012, collaborant de son plein gré au projet. Pourtant, on l'a retrouvé mort 3 mois plus tard, dans le nord de l'état de New York, apparemment en cavale. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi était-il parti? Date 3 septembre 2012, sujet 17. Le patient ne se plaint pas, aucune détresse, aucun antécédent, pression artérielle normale, analyse de sang initiale, aucune trace de substance pouvant entraîner un désordre neurologique, aucune indication de prédisposition du patient à la névrose. Contrairement au sujet précédent, donc le sujet 16, le patient est psychologiquement stable. Vous pouvez poursuivre Damian Saravakos. Oui, non, mais ouais, j'avais fait le rapprochement de Chicago, mais c'est sûr, c'est lui. Hein. C'est forcément Watchdog, c'est certain. C'est pas là pour rien. Hein. Et d'ailleurs, de mémoire, le lien avec Watch Dog a déjà été fait dans le jeu précédent, puisqu'à un moment donné, on arrive dans des bureaux informatiques dans le temps présent, et la société qui protège les bureaux informatiques d'Abstergo est la société principale informatique de Watch Dog. Donc ils avaient déjà fait un lien, en fait. Abstergo s'intéressait de près à Desmond. Et le rechercher, lui, et pas un autre. Une équipe a été chargée de récupérer une personne intéressante en septembre 2012 dans le parc de Washington Square. On ne l'a même pas ramené à Philadelphie. On l'a expédié directement à Vidic, à Rome. Si ce n'est pas de l'intérêt majeur, je ne sais pas ce que c'est. Avez-vous vu cet homme? Desmond Miles, âge 25, taille 1m83, poids 88 kg, cheveux bruns, yeux marrons. Vu pour la dernière fois le 1er septembre 2012 près du parc de Washington Square. Vêtu d'un sweat à capuche blanc et d'un jean foncé. Si vous avez des informations, merci de nous contacter. Ah. La brioche compliquée. Mets un pitch dans ta poche. «
En gros, t'es un hacker, ouais, et ton fils est enlevé, et tu vas. C'est un espèce de GTA, en fait, mais en plus élaboré, où tu peux contrôler avec ton téléphone portable à peu près tout dans la ville, c'est-à-dire les ponts qui se lèvent, les bits là qui permettent de qui se soulèvent pour laisser passer ou non les voitures, les feux tricolores. Non mais moi je l'ai compris le pitch dans ta poche. Ah, bref voilà. Moi le premier je l'ai beaucoup aimé, le deuxième t'étais plus un gros wesh wesh aussi hacker mais un gros wesh wesh qui est là pour faire la révolution. Et du coup ça m'intéressait moins donc j'ai pas acheté le 2. Je le ferai un jour mais j'ai pas acheté. Mais le premier était, enfin se prenait peut-être un peu trop au sérieux, c'est ce qui a déplu. Moi je trouvais que c'était cool que le jeu se prenne au sérieux. Mais moi le 2. Ouais, je vois. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le premier. Après, je l'ai pas retourné, je me suis pas fait chier à faire les missions secondaires et tout après, mais le premier, j'ai beaucoup aimé. Date 9 mai 2014. Trouver ça dans les fichiers Fisher Case, c'est la preuve que l'ADN de Desmond est finalement revenu chez Abstergo. Comment est-il mort? Et d'où viennent les brûlures sur son bras? Alors là, si vous voyez la photo, E.T. peut pas comprendre ce que c'est, mais normalement, Ella devrait arriver à comprendre, en tout cas, on lui expliquait ce qui s'est passé, comment il est mort, etc., etc. Et comment ils ont récupéré son corps, et pourquoi il a une brûlure sur son bras, évidemment. Désolé pour le spoil, E.T., hein, là, je peux rien faire. Si tu savais qu'il meurt, ça va. Ouais, voilà. Donc, je vais pas expliquer pourquoi, comment, parce que c'est quand même un super truc. C'est l'un des meilleurs moments d'Assassin's Creed, la fin de Assassin's Creed 3. Donc, je vais pas la spoiler. Mais normalement, Ella l'a vu dans la vidéo dont on parlait tout à l'heure avec Lançois Loco. Date 12 août 2015, dernier message de William Miles à son fils Desmond. Miles Senior se trouvait au Caire. Quand Abstergo l'a trouvé, apparemment le sujet 17 l'a fait sortir de notre site italien peu avant sa mort. Je sais que tu penses qu'il est dangereux pour moi d'aller en Égypte seul, et tu as sûrement raison. Je ne serais pas surpris d'apprendre que Cross s'y trouve déjà. Ils mettent la main sur ces choses partout où ils le peuvent. Mais nous n'avons pas vraiment le choix. S'il existe une chance de nous procurer la dernière source d'énergie, il faut la saisir. Je te promets d'être prudent, je combattrai ces ordures avec. Avant ta naissance, je combattais ces ordures avant ta naissance, littéralement. Ils seront bientôt là. On m'a piégé dans ce maudit musée. J'aurais dû être plus prudent. Je suis désolé, mon garçon. Ce n'était pas juste de ma part de te tomber dessus comme je l'ai fait. Tu n'avais rien demandé. J'aurais dû être plus compréhensif. J'espère que tu pourras me pardonner. Je t'aime. Alors tout ça, c'est directement lié à des faits du déroulement d'Assassin's Creed 3. Donc moi je sais de quoi il parle, je sais qui est Cross, je sais pourquoi il est parti, qu'est-ce que c'est cette source d'énergie, mais je vais pas en parler pour pas spoiler E.T. William Max retenu par Abstergo le 14 août 2015. Des images de caméras de surveillance du bureau de Warren Vidic quelques jours avant la mort du sujet 17. Difficile d'être certaine, mais je pense bien que c'est William Max, le père de Desmond. Pourquoi était-il retenu par Abstergo? Donc oui, clairement sur la photo, on voit que c'est William, hein, y a pas de problème. Et on a fini. Est parti en sucette, Titi. La lecture lui a fait fumer le cerveau. Apparemment, il y a un magasin. Ah non, ça c'est le magasin du jeu en fait. C'est mettez du pognon parce que 180 balles l'édition collector, ça coûte pas assez cher. Bon, bah écoutez. J'ai la cyclosporine. ECC devrait suffire. Être là pour t'aider. Tu m'aides déjà beaucoup, Diana, même depuis l'hôtel. Et je sais que tu bosses mieux avec la clim.
Ça, c'est pour retourner dans l'animus. J'ai pas envie d'y retourner tout de suite. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe dehors? Bon sang, mes papiers ont volé partout. Oups, c'était important? Ouais, mes notes sur l'animus. Voilà le plan de ma modif du système de dialyse. T'aurais pu prévoir un réservoir plus grand? J'aurais pu te coller un plus gros sparadrap sur la bouche. Wow, on se calme! Bon, elle, par contre, elle a pas de vision d'aigle, et je suppose qu'elle peut pas grimper. Non, c'est pas un assassin. Pas encore, du moins. Le groupe électrogène tient. Au boulot, Layla. Ça va, t'as construit un animus de toutes pièces, tu vas pas me dire que t'es pas foutu d'arriver. Hein. Ouais, par contre, tant qu'elle a pas des capacités de grimpette, je peux pas aller récupérer ce truc-là. Il faut attendre qu'elle ait un effet de transfert, je suppose. Où tomber par là? Il était où le truc? Ah, c'était bien tenté, mais non. Par contre, elle peut descendre, donc fais le tour. Bah, c'est ce que je viens de faire, mais je suis pas tombé exactement où je voulais tomber du coup. Ah non, ok, comme ça. Je peux longer. Ah ! Keep cool. D'Abstergo pour l'animus portable. Une vraie saloperie, ce truc. Mais ça t'a plu de l'améliorer? Le plan du séquenceur génétique. Toujours plié n'importe comment. J'ai rien, j'ai pas l'air d'avoir manqué grand chose là, ça me paraît bien. On continue à remonter. Ah. Ah, j'ai retrouvé mes notes sur le code de séquençage des gènes. Est-ce que tu diras un jour à Milton que tu as fait les tests avec son ADN? Non, et je te conseille pas de le faire. Il y a des tas de moyens de faire don de son corps à la science. Ok, là j'y suis déjà allé. Bah non, j'ai plus de sonar de dauphin. Ça t'oblige à tout découvrir en fouillant partout, quoi.
Attends, je vais pas me taper toute la pampa là. C'est une blague. Hein. C'est cool, on peut sortir, mais on va peut-être retourner dans l'animus là parce que. Moi, bon, même si je pense qu'ils m'ont pas fait une zone gigantesque, ouais, voilà. Je devrais pas trop m'éloigner de cette Ouais, porte. ben ça, je m'en doutais un peu. C'est juste histoire de donner l'impression qu'il y a un panorama, mais le but, c'est pas de Devrais partir pas à trop l'aventure. m'éloigner de Ouais, cette c'est bon, porte. ta gueule. En plus, elle est tombée en galère avec son pneu. Bon, je pense que j'ai récupéré les papiers qu'il fallait récupérer. À moins que j'en ai oublié un quelque part, mais à première vue, non. Sérieux, mais. Ils auraient pu lui donner un minimum de capacité de grimpette quand même. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole, celui-là. Ouais, ça, je pense que c'est pour plus tard, hein, quand elle aura. Voulez-vous regagner l'animus? Bah oui. Alors attends. Pas bouffé par des hyènes, tu vas pouvoir replonger dans l'animus avec ton rein. Je parie que qu'on aura la possibilité de se déplacer et qu'on descendra dans les puits. Ouais, je pense aussi. Ouais. J'y retourne. Je kiffe trop ça. Sois prudente. Vous avez des emails. Ah, c'est l'abonnement de tout à l'heure. Toc. You got made. Moi, je trouve pas qu'il y a trop de menus. Je trouve que tu passes trop de temps dans les menus. C'est autre chose. Il y avait des menus dans les précédents. Ah, puis c'est maintenant, seulement maintenant que t'as l'écran titre. Faubourg d'Imont. magasin. Le magasin permet d'améliorer l'expérience de jeu en achetant des objets plus. Va bien te. Voilà, hein, ok. Alors, moi, je veux bien. Protéger ces terres. Je veux bien rejoindre Maya est Alexandrie. partie à Alexandrie, la ville du serpent. Je vais les trouver. Par contre, je veux pas y aller en chameau. Excuse-moi, Kamel, mais j'y vais avec Choual. Ok, la map est gigantesque. Je suppose qu'Alexandrie, c'est là. On va aller gentiment jusqu'à Alexandrie et puis on va s'arrêter là.
Alexandrie, c'est de l'autre côté, nord-ouest. Ok, super. Du coup, je sais pas ce que c'est ce truc, mais on va y aller quand même. C'était là, Alexandrie? Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas encore découvert la map. Ouais, bon, on va y aller quand même, on s'en fout. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Allez, choual! U! Ah, le désert, c'est le désert. Ça déconne zéro. Oh, des fucking vautours! Attends. Merde, je suis con, j'ai pas besoin de descendre en fait. Je sais pas lequel est le meilleur de mes deux arcs en fait. Merde, je me suis trompé. T'as rien en train de bouffer. Hé, hey, Choual! Déconne pas. On est là pour monter sur le bateau. Ouais, mais comme ils m'ont pas expliqué à quoi correspondait cette icône, ben elle restera énigmatique. J'ai regardé partout sans apercevoir la moindre lueur. Ensuite, j'ai regardé le roi, mon seigneur, et la lumière est apparue. Nous devons continuer à travers les sables avec la barque. Il nous guidera. Ok, super. Bah, paix à ton âme. Paix à votre âme. Crâne rouge égale oups. Ok. C'est une bonne traduction. C'est précis. Ça me paraît bien. Alors, à aucun moment c'était prévu au programme. Hein. Je précise. Hein. Vous n'avez pas payé votre place pour ça. C'est chaud d'anticiper leur vol, quoi. En même temps, ils sont niveau 6. Ah, viens, Choual. Quand t'es dans le désert... Ah!
bon, bah écoutez, tout ça, ça me paraît bien, hein. La lecture a un peu cassé le rythme, forcément, mais au moins c'est fait, on aura pu le faire. Et puis il est 2h du matin, donc on va peut-être s'arrêter là tranquillement. C'est marqué en gros sur la carte Alexandrie. Ah bon? Ah, vous êtes sérieux? C'est marqué où Alexandrie? Ah oui, d'accord, non, ok, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Ok. Et je m'attendais pas à être obligé de dézoomer autant, en fait, si tu veux. Bon, on a déjà niqué l'hôtel Ibis, hein, on aura fait ça au moins aujourd'hui. Quête, on peut pas aller faire la quête d'Aya tant qu'on n'est pas niveau 10, donc il va falloir faire du level up. Et ça, c'est la quête secondaire sur les constellations. Donc, bon, bah, il va falloir faire du level up. Et on va pas se lancer dans le leveling maintenant. Le farming, c'est marrant 5 minutes. Donc voilà. Oui, mais je pense que tu dois prendre plus d'expérience que moi du fait que tu joues dans un niveau de difficulté plus élevé. Peut-être que du coup, le niveau de difficulté plus élevé fait que tu as peut-être moins besoin de faire du farming. Oui, bon, alors ça, c'est une solution qu'on ne gardera pas. On appellera ça le plan B. Aïe, aïe, j'ai mal au cul. Ouais, t'as peut-être fait plus de trucs. Les points d'interrogation, j'y suis pas allé, moi. Du coup, ça fait grimper l'XP. Y a plein de trucs, sûrement. Hein. Mais après, t'es habitué aux RPG, alors que moi, les RPG me gavent, donc forcément. Va falloir que je m'y fasse à ces systèmes de quêtes, machin, aller dans les menus, choisir la quête suivante. Bref, bah de mon côté c'était cool, j'espère que ça l'a été pour vous aussi. On a beaucoup râlé, mais en même temps le live est plus interactif et plus drôle si on y met un peu de mauvaise foi. Même si tout n'était pas de la mauvaise foi, il y a vraiment des trucs qui m'ont saoulé. L'intro du temps présent met l'eau à la bouche, on va bien voir ce que ça va donner ensuite. Et puis on va tranquillement se quitter sur qu'est-ce que je vais bien mettre? On va se quitter sur tiens, on va essayer ça. On va couper le Elgato et se quitter. Là-dessus. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Je vous remercie encore de m'avoir accompagné. J'espère que la soirée était aussi agréable pour vous que pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je souhaite tout plein de bonheur. Et on se retrouve demain soir, du coup, puisqu'il faut finir The Wolf Among Us. Donc pas d'Assassin's Creed demain.
donc à demain soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Lights fade out, all the sin